Ok, donc on va passer à 2024, ce que tout le monde attend avec impatience. Voilà. Alors, vous allez devoir attendre encore un petit peu parce que j'ai oublié de dire des trucs avant. Alors, juste pour repréciser les aspects Uranus-Neptune dont j'ai parlé, pourquoi c'est important? Parce que la conjonction de 1821 parlait du rapport entre le marché et l'État. Le marché, c'est Uranus, et l'État, c'est Neptune. Et donc, on a l'opposition qui a été appelée capitaliste-communisme. Enfin bon, le communisme, c'était un capitalisme collectiviste et tout, mais c'était pareil, quoi. En tout cas, du côté du marché, c'est les lobbies et le client roi qui commandent. Ce qui a donné l'individualisme, puisque le client prend ce qu'il veut, moi je veux ça, et ça a donné un semblant de démocratie. Du côté des États communistes, alors là, il y a du collectivisme, la planification, et donc l'État est hyper puissant, et donc là, c'est ce qu'on appelle les démocratures. Là aussi, ils appellent ça démocratie populaire, mais enfin, c'est pas tellement démocrate. C'est quand même encore moins démocrate d'ailleurs que pour l'instant les pays occidentaux. La loi du marché, quand les pays sont riches, permet la démocratie, quand les pays sont pauvres, ça permet l'écrasement des pauvres, c'est tout. Donc, c'est l'idée que le capitalisme soit relié à la démocratie, je l'ai déjà dit, c'est assez faux, hein. C'est une impression que l'on a en tant qu'occidentaux riches qui ont exploité pendant un siècle, 19e et 20e siècle, en gros, les colonies. Et donc, on a un enrichissement énorme qui fait qu'on peut se permettre de discuter calmement entre nous parce qu'on a de quoi bouffer. Voilà. Alors, cette dualité-là, elle a été intégrée en fin de parcours avant les années 90 en disant ben, on va essayer de rejoindre l'État et le marché, on va les rejoindre. Et c'est ça qui crée le néolibéralisme. Et quoi, le néolibéralisme? C'est un vrai danger parce que c'est à la fois la solution du cycle précédent, puisque c'est l'union. Les États deviennent VRP des lobbies, quoi. Quand Macron se balade dans les pays, serrer des paluches, c'est pour vendre des armes, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a plus du tout l'idée du pays France, démocratie, liberté, égalité, fraternité. On est le pays de Total, comment c'est, Matra, non, c'est pas, comment c'est Ah oui, les armes. Ouais, Dassault, enfin bref, tous les grands lobbies, voilà. Donc, ça, c'est la résolution du conflit État d'un côté, donc communisme, et marché de l'autre, capitalisme. Ça s'est résolu dans le néolibéralisme ou dans le social-libéralisme, version Hollande, c'est à peu près la même chose. Et en fait, où les États font, pour faire marcher l'économie, arrangent la politique pour la mettre au service des lobbies. En gros, c'est ça la définition. Donc, 590 milliards par an sont donnés aux entreprises par les États. Donc, on voit que la caisse des États, elle sert surtout, et ça s'est vu, alors, parce que Macron n'est pas très discret, mais ça s'est beaucoup vu avec le Covid, quand il a donné des sommes énormes pour renflouer l'économie, bah, à ceux qui avaient déjà énormément de fric. Donc voilà, donc c'est une manière de résoudre, à la fin de cycle, de résoudre la conjonction des deux qui a lieu en 93. Mais à nouvelle conjonction, on doit terminer le cycle précédent, il faut pouvoir le terminer. Donc l'écroulement qui va avoir lieu, c'est l'écroulement de cette connivence, de cette corruption presque, du rôle de l'État, Capricorne, par rapport au rôle de l'économie, Capricorne aussi. Rôle de l'État, Neptune, c'est-à-dire l'État, la maman poule de sa nation, quoi. Et puis le marché, le moyen pour chaque individu, s'il a de la chance, de devenir extrêmement riche, quoi. Voilà la promesse, quoi. Alors, il se trouve que la nouvelle donne, la nouvelle évangile de Uranus-Neptune, c'est 20 degrés Capricorne, donc un peu plus loin. Cette fois, la dynamique Uranus, c'est plus le marché, c'est l'informatique. C'est-à-dire monter sur le marché, une marche d'escalier plus loin, on est passé dans l'informatique, donc c'est les réseaux au début, c'était des réseaux de geeks, puis après, c'était les réseaux de tout le monde, avec Facebook et tout ça, Facebook. Et puis, et les GAFAM, le web, tout ça, voilà. Avec une petite note libertaire ou libertarienne dedans, c'est-à-dire les logiciels libres, qui avaient une idéologie de dire on va vraiment permettre, on va renouer avec la vraie démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, parce qu'on va permettre à chacun de s'exprimer et de s'informer plus facilement. C'est un but très louable. De l'autre côté, Neptune, le nouveau Neptune, c'est quoi? C'est plus l'État. C'est un côté aussi organisateur du point de vue de l'État, mais ça, c'est l'écologie. C'est Gaïa, si on veut, l'hypothèse Gaïa. Quand pour la première fois, je crois que c'est Aldrin qui prend la photo de. C'est pas Aldrin, je sais plus lequel que c'est. Enfin bref, un cosmonaute américain qui tout d'un coup, il sort de la face noire de la Lune, et tout d'un coup, il voit un lever de Terre. Et ils prennent cette photo qui a été la première où on voit la Terre vue de derrière la Lune. On voit la Lune complètement désolée, comme un désert aride.
et au fond, une terre bleue, verte, blanche, enfin, magnifique. Et là, elle a créé un choc psychologique dans tous les gens qui l'ont vu. Il y a des millions de gens qui l'ont vu ensemble, parce que ça a mis en valeur l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui était un scientifique qui disait que Gaïa était presque le système, l'humanité était le système nerveux de Gaïa, et il prenait Gaïa presque comme un système vivant. C'est un système vivant, mais il lui donnait presque une âme, quoi. Et ça, ça faisait renouer avec l'idée qu'avaient les peuples, trois guillemets primitifs, qui disent que, bon, ben voilà, la terre mère est une entité qui nous veut du bien, qui nous soutient, nous sommes les fils de la terre, et voilà. Et ça, ça a été confirmé par James Lovelock, par les études scientifiques des systèmes climatiques, des systèmes en place sur la Terre. Et ça allait jusqu'à l'idée que l'humanité était le système nerveux de la planète Terre. Comme si la planète Terre était ce qui doit porter la biologie, puis ensuite l'humanité, pour porter la noosphère, c'est-à-dire la sphère de l'esprit. Donc une évolution comme ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais ça fait de Neptune une sorte de planète de l'écologie, si on veut. C'est plus l'écologie au sens les petits oiseaux et les pelouses autour des centrales nucléaires. C'est l'idée que on doit pouvoir accueillir comme grand tout, pas simplement l'État et la nation, on doit pouvoir accueillir comme grand tout l'idée que nous sommes les fils de la mère Terre et que donc nous devons vivre avec elle. Et ça, c'est presque une nouvelle religion, quoi. Et alors, le fait que ce soit relié à Gaïa de cette manière-là, c'est un peu embêtant parce que ça empêche, comme je disais avant, d'aller vers le ciel, quoi, aussi. Si on est trop collé à la mère Terre, on oublie qu'il y a le père ciel, quoi. C'est le danger de passer du patriarcat. On a eu matriarcat pendant des siècles. Patriarcat, donc on commence en 1700, 1900, 1700, par là, avant Jésus-Christ. On rentre dans le patriarcat, et puis là, il faut en sortir, puisque c'est un cycle complet de 3600 ans a eu lieu. Il faut en sortir, et on retournerait dans le matriarcat. Or, non, c'est pas ça, maintenant que l'ère du Verseau, c'est deux ondulations ensemble, c'est le masculin et le féminin ensemble, qui doivent vibrer ensemble. Donc il faut à la fois récupérer ce qui était valable de matriarcat, c'est-à-dire la relation à la terre-mère, alors d'où l'essor du chamanisme, l'essor de l'écoféminisme, tout ça c'est très très bien, c'est exactement ça. Il faut revenir à une vision du monde plus sensible, plus portée à l'écoute, à la relation à la vie elle-même, pas simplement médicaliser la vie même naturelle, enfin, etc. Donc l'écologie, on voit se soigner par les plantes, etc. Et puis le côté, les sorcières bien aimées que sont les guérisseuses et tout ça, et puis même les guérisseurs. Mais par contre, on voit très bien que le féminin et le masculin doivent fonctionner ensemble. Ils peuvent même parfois se confondre. L'histoire du genre, qui est plus liée à Proserpine qui est ici, en cancer, les histoires du genre, transgenre, cisgenre, enfin tout ce qui se trouve autour du genre. Ben, hein, non-binaire. Ouais, non-binaire, enfin, LGBT, QR+, et plus affinité, voilà. Donc, c'est tout cet ensemble-là, ça correspond exactement à l'idée que Proserpine rapproche le féminin du masculin, au point que chaque individu peut se voir solaire dans sa partie projet spirituel, et peut se voir lunaire dans sa partie plus sensible, affectif avec les proches, tout ça. L'homme est moins obligé d'être masculin, la femme est moins obligée d'être féminine. Les rôles sont moins rigides. Et ça s'intègre dans le Neptune, l'écologie. Une écologie, c'est-à-dire comment habiter autrement et les corps humains et la Terre. Voilà. Donc évidemment, ça crée des réactions. Alors, comme c'est le début d'un cycle et qu'il faut attendre à peu près 80 ans, 85 ans pour être 80 ans pour arriver au milieu du cycle, on voit très bien qu'on n'en est pas là. Et donc, il va falloir que ça s'équilibre, tout ça. Alors, face à l'écologie, Gaïa, tout ça, il y a ce qui monte en même temps, c'est vraiment l'idée, toujours, dans le Neptune, il y a le communisme, on avait vu. Ben, maintenant, il y a les communs. On veut plus du communisme, parce qu'on a vu que c'est un système bureaucratique, technocratique, qui a écrasé et qui a tué des millions de gens, et qui continue d'ailleurs, parce que si on prend le capitalisme chinois, qui est un néolibéralisme hyper agressif, mais avec collé dessus l'étiquette communiste, pour servir de caution à l'aspect dictatorial, l'aspect totalitaire même, plus personne ne veut de ça, si on a le choix. Donc, on a les communs qui sont en train de monter, c'est-à-dire, il y a un bouquin qui vient de partir, qui s'appelle « Pour une société des communs », c'est intéressant, quoi. Voilà. L'altermondialisme, le congrès de Rio, qui était en 92, donc au moment de la conjonction Uranus-Neptune, et depuis COP 1, COP 2, COP 3, jusqu'à COP 21, maintenant COP 28, toutes ces COP, c'est l'idée de il va falloir que l'humanité devienne responsable communautairement, en tant qu'humanité, la communauté c'est plus la nation, c'est plus mon coin, c'est plus ma commune,
Qu'est-ce qui nous est commun, ben, c'est la vie biologique, on a tous un corps, et même si on joue avec des machines, qu'on joue avec des ordinateurs, on ne peut pas empêcher le fait qu'on soit né dans un ordinateur biologique, qui est ce corps-là, et que celui-là, il a besoin d'être respecté, sinon on va le foutre en l'air. Et toutes les excroissances robotiques ou transhumanistes qu'on peut inventer, ben, risquent de nous foutre en l'air plutôt que de nous améliorer. Alors, il y a évidemment il y a des réactionnaires par rapport à ça, on les voit, hein, tous les anti-wokismes. Les identitaires. Les identitaires, les anti-wok, tout ça. C'est quoi le wokisme? Mais on ne sait pas ce que c'est le wokisme, je ne saurais pas répondre. C'est un truc. Wokisme veut dire s'éveiller, donc moi je dois être un wok sans le savoir. Je suis comme monsieur Jean-Michel Dacron. C'est des petits ours poilus. Ouais, c'est des petits ours poilus. C'est ça, c'est quelque chose de très bizarre. En tout cas, les réactionnaires, grâce à Z comme Zorro dans ses Zemmour, bon ben eux ils nous mettent en garde. Hein. Ils nous disent attention, ne tombez pas dans le wokisme. C'est quoi ne tombez pas dedans, faites attention, c'est tout. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Oh merde, j'ai marché dedans. Ah, moi, j'ai entendu une définition, c'est des gens qui veulent remettre à zéro l'histoire. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus... Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. On repart de zéro. Comme ils ont fait tomber une statue de Colbert, ou je ne sais quoi, ils ont abîmé une statue de Colbert, donc ça veut dire qu'ils veulent effacer toute l'histoire. C'est des sauvages, quoi. Ils veulent qu'on devienne des ânes qui ne comprennent plus rien l'histoire. Bon, c'est tout ça. Ça s'appelle des opinions réactionnaires, donc ça, voilà. Et y a aussi une autre partie qui sont les déclinistes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sentent vraiment que c'est en train d'aller mal, qu'on va vraiment droit dans le mur, et eux... C'était mieux avant. Eux, c'est ce qu'ils se disent, mais enfin, on aurait dû s'arrêter avant, arrêter tout ça avant, est-ce qu'on pourrait revenir à... Au temps des diligences, ou au temps de la deux chevaux. Moi, je suis décliniste pour la deux chevaux, parce que j'adorais, quand j'étais petit, mon tonton nous emmenait à la plage en faisant le con avec la deux chevaux, parce que la deux chevaux, tu faisais comme ça dedans, il était un peu lourd, mon tonton. Je faisais ça comme ça, et toute la bagnole tanguait, on riait. Moi je veux le retour de la deux chevaux. Parce qu'une deux chevaux avec un petit moteur électrique, ça serait sympa. Et dans les montées, ça montait assez doucement, et puis dans les descentes, tu pouvais aller très vite. C'est bon. Ça veut dire que le moteur n'était pas très puissant. Mais c'est très sympa. Hein. Et il est vrai que si on. Alors c'est pas du déclinisme, ça c'est de l'intelligence, ça s'appelle. C'est-à-dire, si on monte des moteurs électriques sur des SUV, c'est ce qu'on est en train de faire en France actuellement avec. C'est super, la France a toujours un temps d'avance. On est en train de faire une énorme connerie, il faudra tout détruire. Non, ces véhicules, mais on attend le moteur à fusion nucléaire. Voilà, c'est pour ça. C'est en prévision du moteur à fusion nucléaire qui va venir dans 50 ans. Enfin, il est déjà inventé. Hein. En tout cas, la nouvelle dualité qu'il faut comprendre, c'est que Neptune, qui est en poisson en ce moment, c'est vraiment la compréhension écologie, Gaïa et tout ça. Et alors que Uranus, l'informatique, et les deux doivent se marier. Alors, ils ne se marieront qu'à la fin du cycle. Ou au milieu, sous forme d'une crise. Il y aura une crise d'abord, ils se marieront totalement. Donc on peut prévoir qu'en 2150 à peu près, 93 plus 170, et ben 260, et bien on aura une civilisation qui apparaîtra, Uranus et Neptune se retrouveront en conjonction cette fois en Verseau, et là on aura vraiment la civilisation du Verseau qui pourra s'installer, c'est-à-dire qu'on aura à la fois... on sera dans des hamacs, dans les palétuviers et dans la canopée, en train de travailler à faire des cultures hydroponiques sur paliers en osier, tout en ayant en étant branché sur des petits ordinateurs portatifs qui marcheront en Li-Fi et non pas en Wi-Fi, parce qu'on aura compris que ça bousille la nature et les abeilles et tout ça, et les EHS, entre autres. Je pense pas qu'on aurait même besoin d'ordinateurs. Si, parce que psychiquement, on pourra faire. Oui, psychiquement, on pourra bien, mais ça sera encore plus loin. Ça faudra attendre qu'une Uranus Neptune, encore une autre conjonction. Là, tu nous parles de 2350, 2500 à peu près. Là, en 2500, là, on pourra commencer à vivre, on n'aura plus besoin de ces excroissances parce qu'on pourra avoir une télépathie assez précise et avec des tailles. Si on ne s'est pas flingué avant. Ouais, si on ne s'est pas flingué avant. Donc ça c'est le programme céleste, hein. C'est pas le programme de la nature en bas. Si la nature en bousille le support, évidemment, le programme est annulé officiellement. Voilà ce que je voulais dire pour finir. Alors, comprenons bien que les réseaux, si le système tel qu'il est installé fonctionne par des pyramides, c'est parce que la pyramide est le seul moyen de maintenir le pouvoir des puissants sur les plus faibles. Et cette pyramide devient de plus en plus étroite, enfin de plus en plus large à la base, mais étroite vers son sommet. Ça ressemble à une tour Eiffel de plus en plus haute. C'est-à-dire que ceux qui gagnent un million par mois, ils sont très très peu, mais ils sont très très hauts. Alors après, il y a ceux qui gagnent un milliard par mois, enfin, les Elon Musk et tout ça. Donc ça fait une espèce de pyramide qui, au lieu d'être comme ça, est comme ça, quoi. Très très pointue.
Et plus cette pyramide est pointue, plus le pouvoir peut être maintenu, moins le nouveau système peut apparaître. C'est ça le et c'est pour ça que bien qu'ils sachent que c'est un déséquilibre total au niveau de la société, ils continuent. Parce qu'ils savent que s'ils ne maintiennent pas... Alors, qu'est-ce qui s'oppose aux... Donc, ils ne maintiennent pas ça, bah, le système s'écroulera. Donc, des actionnaires, puis les grands lobbies, tout ça fonctionne ensemble pour être le plus possible vers le deuxième étage de Tour Eiffel, puis vers le sommet. Et évidemment, tous ceux qui sont en bas vont en souffrir. Alors, l'autre chose que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Conjonction de Neptune. Oui, il y avait un autre truc important que je voulais dire là-dessus. Oui, alors, ce qui s'oppose aux pyramides, du point de vue du signe de la balance, par rapport au signe du bélier, ce qui oppose à l'aspect pouvoir, c'est l'aspect amour, ou relation, ou solidarité, ou compassion, enfin, vous pouvez utiliser les mots qui vous plaisent le mieux, c'est un peu la même chose, c'est la coopération, quoi. Et dans ce domaine-là, c'est les réseaux qui sont les plus efficaces, et non pas les pyramides. Or, il ne faut pas croire, si on veut évoluer dans la relation Uranus-Neptune qui est en train de commencer, là, parce que Uranus est déjà en taureau et Neptune est en poisson, on approche du sextile, donc on approche du moment où vraiment les premiers élans de cette nouvelle société vont être vraiment installés. Donc, il faut se rappeler que le réseau, ce n'est pas que l'Internet. Et c'est ça le gros problème qu'on a maintenant. On a été tellement fascinés, on a vu tout à l'heure le thème de 93, là, oui c'est ça, la conjonction Lune Proserpine nœud sud, comme c'est conjoint au nœud sud en Gémeaux, ça veut dire attention à la fascination mentale, parce que tout ordinateur, tout portable est une excroissance du mental. Alors l'être humain n'évolue pas par le mental, il évolue bien sûr avec le mental, mais il évolue avec sa conscience. Et le mental sert un peu de bibliothécaire à la conscience, on va dire ça comme ça. Le père Antoine disait, l'intelligence, c'est-à-dire le mental, se fait un piédestal de la conscience, il monte dessus, alors qu'il lui est subordonné. Donc le mental ou l'intelligence est subordonné à la conscience, c'est-à-dire elle dépend de la conscience, mais au lieu de rester subordonné, elle grimpe dessus, elle s'en fait un piédestal, pour grimper, pour se croire très intelligent. Et c'est le grand danger actuellement, c'est l'orgueil de tous les gens qui vont sur Internet, qui se retrouvent pris par les réseaux, par les c'est pas les archétypes, ça y est, je perds mon vocabulaire. Les systèmes de Google, là, les... Les algorithmes, voilà, j'étais barré sur archétypes. Les algorithmes nous enferment dans des catégories de pensée qu'on croit les meilleures puisque c'est la mienne, c'est la meilleure, j'ai raison, etc. Et on tourne en rond comme ça. Et ça, ça pose un gros problème, c'est oublier qu'on doit être en réseau aussi avec des gens d'un point de vue concret. C'est-à-dire, on peut penser aux AMAP, par exemple... Ou aux groupes spirituels, ou aux groupes associatifs de défense des droits de l'homme, aux éco-villages aussi, aux habitats partagés, c'est-à-dire tout ce qui peut faire, se mettre en réseau. Alors le réseau fonctionne un petit peu ensemble, on peut servir l'Internet évidemment pour faire réseau d'abord, mais après c'est mettre des gens ensemble, dans le vécu ensemble. Et ça, on a beaucoup de mal, en début de cycle Uranus-Neptune, on a beaucoup de mal, parce qu'on est pris dans une société qui est complètement individualiste, parce que Uranus est reparti de l'avant par rapport à Neptune, et Uranus s'éloignant de Neptune, il s'éloigne de la possibilité de faire corps, de faire unité. C'est pour ça que tous les grands appels des politiques à l'unité, unissons-vous, il nous faut travailler ensemble avec un effort national, tous les blabla qu'ils font, ça rime à rien parce que les gens, tels qu'ils sont actuellement, ils sont individualisés, séparés les uns des autres au maximum dans leur petite boîte, comme disait la chanson, des petites boîtes, ils naissent dans des petites boîtes, ils grandissent dans des petites boîtes, ils travaillent dans des boîtes et puis ils finissent dans une petite boîte aussi. Donc cette séparation des gens, puis avec la petite, le portable, ça fait encore une petite boîte. Cet ensemble de séparativité, de séparatisme, je crois que Macron a dit qu'il faut être contre le séparatisme. Okay. Donc, ces ensembles de rétrécissement du champ vital, chacun son appart, sa machine à laver, son frigidaire, tout ça, il faut acheter tout ça, alors qu'une machine à laver peut laver le linge d'environ 50 personnes, si on fait des tours de piste, là, qu'on se donne des rendez-vous sur un petit papier, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passait d'ailleurs. On a abondamment critiqué la Russie tout ça, à cause de tous les dégâts assez proches du fascisme qui ont lieu avec les goulags et tout ça. Mais les appartements communautaires existaient à Moscou, tout ça. Les gens avaient, comme on voit dans les restaurants universitaires, dans les cités universitaires, t'as un endroit au bout du couloir où tu peux faire ton linge, tu peux faire tout ça, et tout est partagé. Si on met un petit tableau avec un crayon en papier, rempli, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Donc
du point de vue de l'industrie, de la machine à laver, ça peut devenir un vrai problème. Mais du point de vue de sauver la planète, c'est idéal. Une machine à laver, chacun ne devrait pas avoir une machine à laver, parce que les gens arrivent, en plus, les gens n'arrivent plus à vivre à deux, encore moins à trois, ou à quatre ou cinq, mais ils n'arrivent même plus à vivre à deux. L'individualisme est tellement exacerbé, les gens sont tellement pris dans leurs algorithmes dans lesquels ils tournent en rond comme un tourbillon où les bouteilles là, tournent en rond. Vous avez ça sur une rivière, ça tourne, les crasses tournent et le tourbillon fait que ça ne sort jamais, quoi. Les gens sont pris dans des tourbillons comme ça et ça s'encrasse, quoi. Ça fait un truc la pensée, alors que quand on rencontre l'autre vraiment, on va se mettre avec des gens avec qui on a un même projet, mettons. Mais même si on a le même projet, on va se rendre compte très rapidement que ça commence à clasher, parce que ah non mais moi je voyais pas ça comme ça, ah non mais tu avais dit que non mais c'est pas ce que je voulais dire, et ça. Alors, et ça, c'est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal? Parce qu'on va réapprendre à communiquer avec l'autre et à se rendre compte que personne n'a raison. C'est en général, c'est en travaillant les différences et en voyant celles qui sont dues à des ignorances, celles qui sont dues à des avis profonds, celles qui sont dues à des préférences personnelles, celles qui sont dues, etc. Il y a plein de possibilités. Et si on sait analyser ça et travailler ensemble comme ça, très rapidement, ça fait comme des trucs qui commencent à s'engrainer les uns les autres, et là, on obtient la coopération, la solidarité. C'est-à-dire que les gens sont capables, chacun avec leur goût, leur tempérament et leur thème astral différent, d'être complémentaires les uns des autres. Et on retrouve le village, on peut appeler éco-village si on veut, si on veut travailler à un mode de production alimentaire et biologique et tout ça, et puis le plus possible vegan, ben ça on va vers des solutions réelles, valables, qui peuvent permettre de faire d'autres sociétés. Si on veut continuer, on veut voter écolo, mais qu'on continue dans sa vie à avoir chacun sa machine à laver, son frigidaire, tout ça, et sans voir ce que ça dépense comme nombre de pas que le CO2 d'ailleurs, la quantité de machines que ça fait pour rien, ben on va tout droit dans le mur. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette bien comprendre que le réseau n'est pas seulement le net, et ça c'est le grand piège qui nous attend dans les années à venir. Confond le réseau internet avec communauté. Ce ne sont pas des communautés. Et ils ont été appelés à tort, ou à raison si on veut, ça, peu importe. Ça a été appelé communauté à l'intérieur de tous les usagers du web et tout ça. On a appelé ça des communautés, bien sûr. Mais ils vivent chacun chez eux. Et quand ils vivent chacun chez eux dans leur petit truc, ils ont leur chauffage, ils payent leur loyer, ils payent tout ça. Il faut aller chercher le fric pour payer le loyer, tout ça. Donc ils sont bien dans le système habituel. Ils ne sont pas en communauté. Ils sont en individualité, prisonniers d'un système qui, lui, est globalement collectif et qui devient de plus en plus collectivisé à grande échelle. Or, les capitalistes, ils ont un intérêt à ce que ce soit collectivisé à grande échelle, parce que si tu peux un produit valable, si tu veux le fabriquer à 10 exemplaires, tu vas les fabriquer un par un, tu vas te faire chier, tu vas devoir le faire payer très cher. Le même produit pratiqué en 100 000 exemplaires et vendu partout dans le monde, si ça marche, tu deviens hyper riche, parce que 100 000, puis après c'est 1 million, puis après 100 millions de gens qui l'utilisent, et là tu es hyper riche. Donc ça, l'Internet peut permettre ces changements d'échelle comme ça très rapides. Mais le capitalisme n'a pas intérêt, en tant que système de fonds, installé depuis 1821 en gros, à remettre en question cette collectivisation totale des échanges. Or, il faut quitter le collectivisme, il faut passer au communalisme. C'est-à-dire ce que Murray Bookchin, qui était c'est quelqu'un que j'ai lu quand j'avais 18 ans, maintenant il revient à la mode, je suis content. Thoreau aussi, j'ai lu ça très jeune, Thoreau, Krishnamurti, Murray Bookchin, c'était des trucs que je lisais assez jeune et personne en France avait l'air de connaître. Quand Krishnamurti est mort, il n'y avait même pas des linéaires dans les journaux pour dire que l'un des plus grands philosophes du XXe siècle était mort. En France, on ne connaissait pas. Krishnamurti, oh, c'est une secte, ça, non? Ah, d'accord. Bon, les Français ont rien compris à ça. Nen Rudyard, c'est pareil. Personne n'était au courant. Mais donc, Murray Bookchin et Henri David Thoreau, c'est devenu maintenant les phares de toute une nouvelle génération de ceux qui sont nés justement pendant cette conjonction Uranus-Neptune-Capricorne. Ils sont bien les porteurs d'une vision pour ce nouveau monde, désobéissance civile. Si quelque chose est négatif, tue, fait du mal, détruit l'environnement ou détruit les humains, alors on a le droit de détruire. C'est pas du sabotage, enfin, ils appellent ça sabotage si vous voulez, mais ça peut s'appeler la légitime défense. Comme disaient les ZAD, ils disaient nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est intéressant, quoi. Nous sommes la nature qui se défend d'un truc qui amène à la mort, quoi. Il y a le droit. Surtout eux, parce que quand ils auront 60 ans, moi, je serai mort sûrement. Mais par contre, eux, ils vont arriver à 60 ans, ça sera les années, les années 30, 2030, tout ça. 2050, je me gourde de vin. Et dans les années 2050, 2060,
Et là, si on est à plus 4 degrés, quelle grande chance, la vie va pas être drôle. Va vraiment pas. Donc ils ont le droit de dire faut freiner le plus vite possible, parce qu'eux, ils voient le mur arriver, nous, on le verra pas. On aura le mur de la mort physique, biologique, qui arrivera avant. Et c'est pas une raison qu'on s'en fout. Donc moi je milite pour qu'on prenne conscience tous de ça, alors que je sais pertinemment que je suis très peu concerné par ce mur de la chaleur. Enfin, quoi que... mourir d'un extrait de chaud aussi très rapidement, vu les étés qu'on a quand on vit en caravane, c'est dur, dur. Voilà, donc voilà pour la nouvelle donne. Alors on va la regarder, on rebondit sur le thème, on regarde ce qui se passe. Alors je vous rappelle qu'on met le soleil est à 0 degré Capricorne, c'est le point de départ du calcul. Je ne mets pas à 0 degré Bélier, je le mets là-haut, parce que c'est l'esprit qui descend pour cette année. Et c'est cet esprit qu'on va analyser, sachant que tout suit l'esprit, tout. Le fait d'apparaître ici matériellement, c'est normal que le zodiaque occidental soit matériel, commence par le Bélier. Le zodiaque juif, hébreu, hébraïque, il commence 0 degré Balance, lui. C'est marrant. Il fallait choisir un moment où la nuit et le jour s'équilibrent pour dire ça démarre à ce moment-là. Mais du point de vue hébreu, l'être humain est un animal social, donc le premier signe, c'est forcément la Balance. Alors que pour nous qui sommes plus des peuples plus vitalistes, parce qu'on est plus au nord, donc dans des endroits où l'hiver il pousse rien du tout, le printemps c'est la libération, quoi. C'est, on va pouvoir enfin planter tout ça. Donc c'est des choix arbitraires. Mais ils ont chacun leur raison d'être. C'est pour ça que quand je choisis 0 degré Capricorne, ça a sa raison d'être, parce que c'est là que l'esprit démarre. Mercure rétrograde en Bélier, qui est le Dharma, parce que la part du monde est en Lion, voilà. Est collé, il est rétrograde, il est collé au Soleil. Donc une année qui demande à bien réfléchir. Attends, Mercure rétrograde n'est pas en Bélier. Non, en Capricorne. J'ai dit Bélier ? Oui. Ah, pardon, Capricorne. Il est en Capricorne avec le Soleil, collé au Soleil, à un degré et demi près, rétrograde, se dirigeant donc vers lui. Et ça veut dire, attention, ralentissons, ne faites pas d'efforts pour aller plus fort en avant, de ce qu'on vous a raconté, c'est exactement l'inverse. Il faut revenir en arrière et réfléchir. Alors, pas revenir en arrière à fond la caisse non plus, vive le péténisme et tout ça, comme on a le plus jeune président, le plus jeune premier ministre, on a le record, et dans leur âge mental de 150 ans, général Boulanger et puis Pétain ensemble, enfin bon, c'est voilà, on en est là. Mais bon, c'est ce retour en arrière, c'est-à-dire, attention, il va falloir réfléchir, qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ce qui s'est passé dans les années avant ? Intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses depuis les années Covid qui n'ont pas été comprises du tout, ni par les officiels, les étatiques, les institutions hospitalières, tout le bazar médical, tout ça, ils n'ont rien compris. Ils ont compris une partie parce que c'est des spécialistes de ça, mais ils ont compris. Et ce qu'on appelle entre guillemets complotistes, c'est un peu comme wokistes, ça veut dire quoi, mais disons que si on choisit d'appeler complotistes ceux qui sont persuadés qu'il y a un grand complot pour venir à bout de l'humanité, pour la faire diminuer, voilà, on va appeler ça comme ça, c'est pareil. Il y a un manque de réflexion que je peux mettre en vis-à-vis par rapport au manque de réflexion de l'autre côté. C'est pas du tout. Je veux pas dire ah eux ils ont raison, parce que les gens peuvent dire ah oui mais toi t'as l'air plutôt complotiste d'après ce que t'es pas. Oui, je suis contre ce type de médecine qu'on est en train de nous fabriquer, qui est une médecine de mort, c'est pas une médecine de vie. Mais c'est pas pour autant que je crois que les gens ont voulu injecter des puces électroniques exprès pour manipuler l'humanité. Je pense que il y a bien un complot qui est celui que définit l'astrologie. Moi, je pense pas avec des opinions copiées-collées sur Internet, je pense avec l'astrologie. L'astrologie me dit, le complot, il est né en 1821, il s'appelle capitalisme, et il est en train de se terminer maintenant, et il y a un nouveau capitalisme qui est né avec les GAFA, tout ça, 1993, 99, 2020, et c'est ça que, et si on raisonne comme ça, on voit bien où est le complot. Oui, si on veut appeler complot, il y a bien un complot. Mais en tout cas, c'est pas des types qui sont réunis autour de la table et qui ont dit, nous allons devenir les maîtres de l'univers. Bon, ça, c'est pour les enfants dessins animés. C'est vraiment caricatural. Bon, ceux qui ont trop regardé ça, bon, bah, ils sont peut-être là. Mais il y a quelque chose dans l'être humain, effectivement, qui fait qu'il va préférer l'avidité à la générosité. Tant que le système est tel qu'il est, les êtres humains continueront à préférer l'avidité à la générosité. C'est un problème de peur. C'est un problème de manque de confiance en la vie. Et pourquoi il y a manque de confiance dans la vie ? Parce qu'on ne connaît pas la vie. On croit que la vie est que matière et que gagner de l'argent. Gagner de l'argent, trouver un bon boulot pour survivre et trouver une belle femme ou un beau jeune homme pour se marier avec, avoir beaucoup d'enfants et recommencer pareil. Ça, c'est la vision actuelle. Elle est complètement appauvrie. Elle est complètement réservée à la relation de l'homme à la matière. Maîtriser la matière, donc maîtriser la nature, la servir pour la faire servir à son projet qui, lui, est seul valable, l'homme se prenant pour Dieu. Et ça va jusqu'à
jusqu'à des visions de supprimer la mort, faire des excroissances, enfin, tout ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est une vision qui est née aussi en Californie, au même endroit où sont apparus les GAFAM, tout ça. Bon, donc, si on regarde maintenant ce qu'on veut faire avec ce thème, il faut revenir en arrière, réfléchir. Comment ? On va suivre les aspects tout simplement. On a un beau Jupiter rétrograde lui aussi, qui va vers la Lune. Lui aussi doit réfléchir. Alors, les deux planètes un peu mentales, qui sont l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui sont l'axe qui est occupé par Mars. Donc cet axe-là, qui est l'axe de la réflexion, du dialogue, discuter les uns avec les autres, Gémeaux et Sagittaire, élever les débats pour savoir dans quelle direction on va. Les deux ensemble vont ensemble. Hein. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas des discussions en Gémeaux et s'il n'y a pas de décision de faire les choses ensemble en Sagittaire. Et ben, cet axe-là est commandé par Mercure et Jupiter. Les deux planètes de cet axe-là, où on va politiquement, les deux planètes sont rétrogrades, Mercure et Jupiter sont rétrogrades, ils sont en trigone, donc très bon aspect, en Terre, donc très concret. Il faut réfléchir concrètement à ce qu'il faut faire cette année. Il y a des décisions à prendre, mais en y réfléchissant. Et pour réfléchir, il faut revenir. Mercure doit retourner vers le Soleil. C'est-à-dire, Mercure doit se poser la question, c'est pas ce qui m'arrange moi qui doit faire. C'est qu'est-ce qui est Soleil, qu'est-ce qui est réunifiant, qu'est-ce qui va permettre d'avoir une conscience plus vaste, plus ouverte et plus partageable finalement avec tous. Et Jupiter doit retourner vers la Lune. C'est-à-dire que ce qui est épanouissant, qui fait du bien, la joie de vivre, tout ce qui fait l'hédonisme, on pourrait dire, le plaisir de vivre, le profiter de la vie, il va falloir qu'on remette en question ça, c'est pas profiter de la vie, c'est revenir vers la Lune, qu'est-ce qui, dans la vie, permet d'en profiter, sans bousiller la vie. C'est plus du tout la même question. Donc on va, si je veux profiter de la vie, mais profitant de la vie, bah, je sais pas, je fais tous les 4 mois, je prends un avion pour aller aux Seychelles ou comme ça, il va falloir se poser la question, mais attends, pendant ce temps-là, j'ai coupé une forêt de, mettons, 200 arbres à chaque fois. Bon, je vais les replanter. Alors, je donne de l'argent à quelqu'un pour les replanter, mais il s'avère que ce sont des groupes qui rasent les forêts pour en planter d'autres. Donc c'est souvent... Donc non, la seule solution, c'est de pas prendre l'avion du tout. Ah, Jupiter rétrograde, est-ce qu'on peut profiter de la vie sans forcément se comporter en se gavant en fait sur le dos du futur de nos enfants, parce que c'est eux qui payeront l'addition, et sans se gaver non plus sur le dos de la planète ou des équilibres écologiques. Et ça va commencer à réfléchir très fort. Donc là, en signe de terre, ça nous dit qu'est-ce que c'est que la prospérité, Jupiter en Taureau. Qu'est-ce que c'est la prospérité? Parce que tout le prétexte de tous les pays, et le macronisme c'est ça aussi, c'est-à-dire il faut absolument que notre pays soit compétitif pour être prospère. S'il n'est pas prospère, l'état de confort des habitants ne sera pas bon. Et il se trouve qu'on est en plein dans un délire d'inflation, de difficulté à survivre, tout ça, qui a été dû à ce que l'argent a été distribué des caisses, à fond la caisse pendant le Covid, pour les grands lobbies. Puisque c'est il y a une obsession sur la compétitivité, sur la compétition, en fait, sur le fait de gagner et tout ça, qui est totalement... On fera un jour le thème de Macron. J'ai pas osé le faire au début parce que j'avais fait cette erreur-là de faire les thèmes des présidents dès le début. Et je m'étais retrouvé censuré parce que j'avais dit que Sarkozy était un gredin et quelqu'un qui était tellement qui avait plus un thème de chef de mafia qu'autre chose. Et ça avait tellement pas plu que j'avais été censuré sur des librairies ésotériques. Et, parce que tout le monde le voyait, c'est un homme bien quand même, il est sympa, puis il est sympathique quand même. Et voilà, par rapport à Chirac, ça faisait nouveau. Il avait planté un couteau dans le dos à Chirac pour pouvoir. Enfin, c'était un type, il avait les dents qui rayaient le parquet. Mais enfin, Macron, c'est pareil, qu'est-ce qu'il est beau, c'est un bel homme, hein, le gendre idéal, tout ça. Tous les mémères de plus de 60 ans, là, et les pépères aussi, étaient émoustillés. Et tout le monde allait voter pour lui parce qu'il était jeune. Forcément, s'il était jeune, t'es moins con. Bah ouais. Ça a changé. Hein. On va dire que ça a beaucoup changé. Je vais rien dire de plus. Mais voilà, ça. Donc là, le macronisme nous invite à dire il faut garder ce système. Alors Jupiter représente souvent le capitalisme, justement, parce que c'est le côté accumulation. L'accumulation du capital, c'est la définition que donne Marx voilà. Et là, l'accumulation du capital, Jupiter est trop grave, attention, il va moins s'accumuler facilement parce qu'il faut se demander, mais est-ce qu'on est en accord avec la vie? La Lune est quand même au tout début du taureau. Et la Lune, elle est quoi en taureau? Elle est en exaltation. C'est-à-dire, c'est l'idée de vivre heureux en accord avec la nature, alors les petites fleurs, les petits oiseaux, les paysages où une jeune fille en fleurs, en robe blanche, court dans les champs pleins de coquelicots, qui n'existent plus à cause du glyphosate, tout ça, je rappelle les coquelicots, mais enfin bon, vous trouvez, quand on trouve un champ de coquelicots, on appelle tous les photographes de pub pour mettre, allez, enfile ta robe blanche, allez, tu vas courir dedans, là. Parce qu'on a des produits à vendre, c'est pas le tout, c'est bio, c'est marqué. Bon voilà, donc ça, un nouveau, bon,
ça peut évidemment aider les gens à acheter du bio, tout ça. Mais enfin, bref, c'est, ça ne fait pas toujours les affaires des coquelicots. Après, ils sont tout piétinés. Bon, bref, trêve de coquelicots. Ça se referme sur un merveilleux sextile à Saturne qui lui-même fait sa sextile à Saturne. Alors ça, on pourrait dire que c'est presque l'aspect principal de l'année. Saturne, il faut se rappeler, c'est ce qui installe dans le temps. C'est ce qui structure, c'est ce qui installe durablement. Or, quand ça installe comme ça une situation de manière installée comme ça, bien que Jupiter est rétrograde, il va y avoir moins de profits, mais les profits vont être peut-être dirigés vers quelque chose qui est plus en accord avec la vie. On peut penser, vu le trigone, à un gigantesque mouvement de gens qui n'y croyaient pas vers ce que vous appelez, entre guillemets, trois guillemets, le développement durable. C'est-à-dire que là, ça va être l'année du développement durable. Tout le monde va se dire, les gens qui avaient toute leur bille chez Total, chez, ils vont se dire, waouh, tiens, c'est quoi la Biocoop? Biocoop, c'est quoi ça, hop, j'ai essayé, voilà, on va commencer à mettre du fric sur... J'ai même entendu un débat sur France Inter, où les gens, la personne au bout d'une heure, elle t'expliquait comment il faudrait rediriger l'économie d'une autre manière. C'est un peu la question que pose ce Ah, c'était voilà. L'émission d'économie. Ouais, l'émission d'économie, c'était génial. Et à la fin, il dit, mais il faudrait qu'il y ait des banques qui existent et qui puissent, au lieu de financer les actionnaires et tout ça, rassembler l'argent et diriger ça vers des financements alternatifs, écologiques et tout ça. Ça serait génial. Alors moi, j'ai dit, écoute, ça, putain. Ça existe depuis 25 ans, ça s'appelle la NEF, c'est une banque, ça s'appelle Nouvelle Économie Fraternelle, et ça a été complètement censuré, empêché de se développer par les banques, mais ça existe. Donc c'est peut-être le moment où on va pouvoir réclamer tous ensemble que la NEF ait vraiment le droit d'être une banque, qu'elle ne soit pas condamnée à être seulement une caisse d'épargne, parce qu'actuellement tu peux pas avoir de carte bleue la NEF, t'es interdit, parce que la NEF c'est ça, et on les a accusés d'être une secte, chercher l'erreur, parce que c'est non, alors que les autres qui dirige toute la population mondiale en déplaçant des sommes énormes, ils jouent au Monopoly avec des peuples et en les tuant au passage, ceux-là, ça, c'est pas une secte. Les sectes, quand tu prends les finances des sectes, ils sont... question, c'est que, avec quand même, Jupiter est rétrograde, Mercure est rétrograde, et Saturne est direct. Mais dans un contexte collectif, toutes ces planètes rétrogrades parlent pas beaucoup d'action, justement, tu dis, on va mettre nos billes autrement. Non, ça on va voir ça avec dans Mars. Un contexte collectif, c'est parce que Mars, c'est pas loin. Non, les planètes rétrogrades nous demandent de réfléchir. Ça fait une réflexion plus intense, effectivement, que l'action. Parce que les investissements vont hésiter, ils vont aller vers le développement durable, mais à reculons, mais ils vont y aller. Donc ça veut dire que ça y va en réfléchissant. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de débats sur l'éthique, par exemple? Voilà, par exemple, Saturne en poisson. Alors, je l'avais dit l'année dernière, parce que je rappelle, on a le thème de 2023 ensemble, je vous fais un petit coucou rapidement. Saturne est presque au même point, vous allez voir. Il était en Verseau, puis il est rentré en poisson l'année dernière. Ah oui. Et donc là, cette fois, il est en poisson pour toute l'année. Quand il est en poisson, j'avais dit attention, ça c'est le retour du socialisme. Pourquoi? Parce que Saturne est chez Neptune. L'idée du commun, c'est à nouveau l'idée à laquelle il faut réfléchir. Alors que le commun, tu disais, bon, ça serait bien qu'on ait commun. Ah ouais, t'es communiste? Mais non, les communs, c'est pas... Oh, si, t'es communiste, sinon tu parlerais pas de commun. Non, moi, j'aime pas ça. T'as vu Mao, Staline, que ça a fait des millions de morts. Non, mais... Donc les gens étaient fermés dans des petites boîtes. Ou t'es communiste, ou t'es capitaliste, ou t'es fasciste. Et ça, toutes ces images-là sont en train de disparaître. Parce que Saturne en poisson, c'est... Est-ce qu'on peut se poser la question de la misère? Est-ce qu'on peut se poser la question de la pauvreté? Est-ce qu'on peut se poser la question des pays qui sont... Oui. Il y a aussi une espèce de grosse bouillie mentale actuellement où énormément de gens se font séduire par des idées fascistes, ne savent plus du tout ce qui est facho, etc. C'est hallucinant. On ne sait plus reconnaître finalement. Les gens ne savent plus reconnaître. Quoi. Il faut avoir une sacrée colonne vertébrale aujourd'hui, politique, idéologique et philosophique, et une grosse culture historique pour le reconnaître, et j'observe que... Oui, il y a une langue... On va en parler avec Uranus en Taureau. Je rappelle qu'Uranus en Taureau, rétrograde, heureusement, parce que justement, il est moins puissant quand il est rétrograde, mais il ne va pas rester rétrograde toute l'année. Quand le soleil va avancer là, il va se remettre direct à nouveau. Mais effectivement, là, je parlais que de cet aspect-là, qui indique plutôt une restructuration autour de l'idée de ce qu'on appelle le socialisme, sans le relier à l'histoire du socialisme, Jaurès, puis Lénine, et puis on retombe sur Marx et Engels, et tout ça. Tirer les leçons de l'histoire,
tenir le cap de les humains sont pas là pour devenir des prolos au service des plus riches, hein, on n'est pas dans Germinal ou Zola, est-ce qu'on peut aboutir à une société où chacun gagne sa vie et mange à sa faim? C'est quand même ce qui s'est fait pendant les Trente Glorieuses, ça commençait à se créer ce truc-là. Certains se sont enrichis à fond à ce moment-là, mais dans l'ensemble, l'énergie circulait un peu. Avec le multi-rendissement en France, en plus, il y a eu une espèce de rééquilibrage très doux, très, très modeste, puisque tous les autres pays autour étaient en train de devenir néolibéraux. Mais ça a permis... Donc là, Saturne rentrant en poisson, il pose la question, comment on fait avec le manque? Alors, ça peut être le manque de pétrole, ça peut être le manque de logement, ça peut être le manque pour les gens, ça peut être le manque pour les États aussi. Par exemple, il y a eu une frustration terrible avec la COP28 à Dubaï, parce que certains États savent qu'ils vont disparaître sous l'eau. Ils ont décidé de mettre un mot à la place d'un autre, et ils ont crié victoire, parce qu'ils ont... Et voilà, on va dans la bonne direction. Et les autres, quand est-ce que... l'eau monte, et puis c'est un peu ça, quoi. C'est bien que vous soyez dans la bonne direction, mais quand est-ce que vous faites quelque chose de concret, quoi? Bon, alors, c'est déjà démarré, mais il n'y a rien d'occupation. Il est demandé à tous les pays de mettre à une caisse commune pour aider ces pays-là. Mais comme il n'y a pas obligation, la somme qui a été mise dans cette caisse commune avec grand renfort d'applaudissements et de victoires à Dubaï, elle est de 1% de la somme qu'il faudrait. Et les Américains ont mis le plus gros en plus, parce qu'ils ont plein de fric. Forcément, ils fabriquent la planche à billets, alors c'est facile. Donc, mais 1% seulement. Donc, on en est que cette conscience-là a animé Mercure et Saturne, c'est la réflexion profonde, très cérébrale. Saturne et Jupiter, c'est l'économie. Donc, une réflexion très solide au niveau de l'économie, tout ça. Comment on fait pour s'épanouir autrement? Par exemple, le mot décroissance est pris de manière extrêmement négative par les Français. Ils ne comprennent pas le mot décroissance. Ça veut dire que je vais me ratatiner, que je vais devenir tout petit. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on arrête de croire dans une compétition tout azimut et qu'on va croître au-delà des limites de la Terre. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire du tout qu'on arrête les bonnes idées, les progrès, qu'on arrête d'être heureux. Par exemple, la coopération, c'est un bon moyen pour décroître. Mais ça fait croître des tas de choses. Quand les gens sont en coopération entre eux, ils font croître des tas de choses qui rendent heureux. Alors que quand ils sont en compétition entre eux, on parlait avec les JO aussi, enfin, ça c'est autre chose. C'est les compétitions, ça rend les gens deux fois plus cons. Sauf celui qui a la médaille d'or qui arrive sur le podium, il y en a un, et puis 100 000 dans tout, même plus que ça maintenant. Peut-être 1 million de gens en tout le pays qui courent comme des dératés sur des pistes pour dire « Ah, un jour je serai champion olympique » et ça sert à rien. Je ne critique pas l'exercice physique, hein, il en faut. Et si on fait l'exercice en jouant, en foot. Mais non, l'idée de compétition, l'idée d'arriver au sommet, sur le podium, la médaille d'or et tout ça, c'est une idée essentiellement d'essence fasciste. Parce qu'à chaque fois qu'elle a été utilisée au niveau collectif, depuis le dernier siècle, Pierre de Coubertin, tout ça, ça a été pour favoriser les gouvernements fascistes en général. Il suffit de voir les derniers lieux où ont lieu les Jeux Olympiques, à chaque fois, c'est dans des pays où il y a un processus fasciste qui est en train d'avoir lieu. Alors le fait que la France l'ait pour 2024 est un peu inquiétant. On se dit, ah bon? La Chine, il n'y a pas longtemps. Enfin, mais c'est cette année, Berlin, 33. C'est cette année. Oui, c'est les Jeux Olympiques, cette année. On va pas parler que de ça. Pas au courant. Comment fais-tu pour ne pas être au courant, Sylvie, voyons. Je pensais que c'était dans l'autre. Mais attends, après, tu vas plus pouvoir ne pas être au courant. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres une radio, tu vas voir la Marseillaise et tout ça. Et on va te... Pourvu qu'on a des médailles. Alors moi, je suis de tout cœur. C'est ça, Uranus rétrograde. Alors, on y va. On fait la suite. Attends, on va avancer sur le thème. Donc ça, c'est intéressant. L'ascendant de la France, il est où? Je l'ai manifesté. Il est en Scorpion. Il est là. Il est du ciel en Lion. Donc le ministère en Lyon, c'est au niveau gouvernemental, ça peut faire une relance économique, hein, ça peut faire des mesures qui peuvent être prises. Alors c'est exceptionnel en macronisme, hein, regardez, écoutez bien, parce que là, on va dire, mais il est fou, il va y avoir des mesures qui vont être prises pour éviter justement la pauvreté, peut-être des mesures pour que les logements vides soient... Alors il ne veut pas déranger les actionnaires, il ne veut pas déranger sa clientèle, mais ils vont peut-être pondre des choses un peu plus, qui va permettre à un genre d'être un peu plus à l'aise, parce que quand il y a... Je ne sais plus combien de centaines de milliers de sans-abri à Paris, et qu'il y a et qu'il y a 5 ou 6 fois plus de logements vides qui servent à rien, qui servent juste à faire monter les prix entre eux, parce que la rareté crée le moins monter des prix. Et qu'il y a des lois de. Ça s'appelle de la spéculation. Ouais. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la spéculation arrête de tuer des gens, quoi?
parce qu'il y a des gens qui sont morts de froid. C'est, on a la même chose que quand l'abbé Pierre avait, en 54, avait dit, ouais, il avait gueulé à la télé, une personne est morte de froid cette nuit en France, c'est inadmissible. Bon, ben là, il y en a eu plusieurs. Alors, et oui, l'abbé Pierre, ben, il est mort. Oh, ben merde, on n'en a plus. Alors, c'est complètement fou, quoi. C'est, on est à un point. Alors, ce qui remplace l'abbé Pierre, c'est Mélenchon qui gueule pareil, mais ouais, il manque une dimension de charité, quelque chose qui ferait que, qu'on l'entendrait mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul qui gueule presque de manière systématique contre ce genre de truc. Il en devient fou de colère, le pauvre, mais c'est pas la colère qui va. Enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui tapent sur la table au moins, parce que s'il n'y en avait pas, mon Dieu, que ce serait triste cette France. Mais voilà, donc il y a eu les gilets jaunes et tout ça. On retrouve cette idée de ben, il va falloir faire quelque chose ensemble pour dans des signes féminins, des signes où on écoute les plus faibles, on écoute ce qui se passe, et non pas on va diminuer le comment ça s'appelle le truc mensuel, la somme mensuelle, ça y est, j'ai peur. Le RSA. Le RSA, ouais. J'ai pensé RAS. C'est, oui, il y a RAS, quoi. Rien à signaler. Donc, on va pas. Ah ouais, votre RSA, vous savez, on vous donne cette somme, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Vous allez me faire le plaisir de travailler gratuitement, parce que quand même, pourquoi on vous la donnerait? Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi on vous donnerait cette somme-là? Non, mais vous n'y pensez pas. Alors, non, il va falloir vraiment. Alors bon. Il va falloir la mériter. Ou alors la mériter. Nous pour ça, pas, bon, alors. On est dans une société du mérite. Voilà, vous faire ramasser, les trier les poubelles. Ben, il y avait quelqu'un qui était embauché pour ça, il était content. Ah oui, non, on va l'enlever, parce que là, on a une équipe de RSA qui veut vraiment travailler. Virez-moi ce qui est périllé. Donc on va avoir une espèce de concurrence qui est sourde, qui va avoir lieu, qu'on va essayer de dire qui n'existe pas, évidemment. Non, on a bien réfléchi. Parce que, évidemment, ça va avoir lieu et c'est vraiment dégueulasse. Il s'agit de profiter de la misère pour faire la loi du moins offrant et donc faire baisser les prix. Ce qui est une technique capitaliste bien connue. Plus il y a de gens sur le carreau au niveau chômage, plus on peut faire baisser les salaires, évidemment. Donc c'était. Voilà. Alors, en France, on est obligé un peu de faire ça, parce que comme on refuse les émigrés, il va y avoir peut-être trop d'emplois pour faire baisser suffisamment les salaires. Bref, donc voilà. Alors, l'autre aspect qui est difficile dans ce thème, c'est que ce Jupiter-Lune, qui est quand même une belle conjonction, hein, c'est une conjonction optimiste, positive, on veut de la nature, on veut des petits oiseaux, on veut pouvoir vivre heureux et en bonne santé longtemps, dans un corps sain, un esprit sain, voilà. Et ben, c'est en carré à Pluton. Alors ça, c'est jamais bon. Pluton, c'est la planète, on sait, qui contient une grande forme de remise en question très puissante. On peut parler de destruction quelquefois. Et c'est en plus, elle est au 29e degré. Voilà, elle est sur le dernier degré du Capricorne. Ouais. Le dernier degré d'un signe, c'est toujours on appelle ça les degrés critiques. C'est des degrés où la planète est prête à basculer dans le signe suivant. Ouais. Et étant prête à basculer dans le signe suivant, ça, on pourrait dire ça pue la mort. Quoi. C'est-à-dire elle accumule tout ce qui s'est passé sur le signe avant de basculer en suivant, et là, souvent, il faut lâcher du négatif à ce moment-là. Et c'est une planète, souvent, demander à Pluton de lâcher du négatif, c'est pas difficile, il sait faire que ça. Non, je plaisante pour ceux qui sont plutoniens, excusez-moi. Mais bon, c'est quand même une planète qui contient une possibilité de transformation, bien sûr, mais en général, la transformation passe par le côté, la face nord, quoi, par l'épreuve. Hein. Sans épreuve, point d'avancement, disait le père Antoine, que j'aime bien. Et j'expliquerai pourquoi je l'aime bien une autre fois, parce que là, je l'avais prévu d'en parler, mais il y a des raisons astrologiques aussi extraordinaires. Bref, ce Pluton, il va falloir en parler tout de suite, parce qu'il fait ce carré à la Lune, et on sait que Pluton-Lune, c'est vraiment... la destruction du corps. C'est la destruction de la psyché aussi, la Lune, c'est-à-dire que souvent, les aspects Pluton-Lune indiquent, dans les thèmes, quand on trouve ça dans un thème natal, ça veut dire grosse angoisse intérieure, ou de la peur ou du traumatisme, quelque chose qui fait qu'on est enfermé dans quelque chose parce qu'il y a eu dans la petite enfance quelque chose de négatif. Mais ça, c'est pas une attaque sur le peuple, donc c'est encore des CRS qui vont Pluton peut représenter les forces de répression, évidemment, également. Ouais. Et Capricorne, c'est les forces de répression de l'État. Bah oui, quand Pluton va passer en Verseau, ça va changer la donne, je vais l'expliquer. Mais là, il est encore en Capricorne, il termine ce cycle Capricorne qui a été depuis. Depuis qu'il est rentré en Capricorne, c'est depuis une dizaine d'années. Les mains arrachées, les gens tués, les gens mutilés. Et surtout, en fait, une crise partout de l'autorité et de l'État. Saturne, l'organisation, l'autorité, l'État. Le Capricorne, c'est celui qui dit, ok, on s'est rassemblé avec le Sagittaire, on sait ce qu'on va faire ensemble, on va le faire en créant une institution, en créant une structure, en créant des lois qui vont permettre d'installer ce qu'on a voulu ensemble. Démocratie et élus. Et il n'y a pas eu, depuis que Pluton a traversé Capricorne, tu as eu la foire à la corruption. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté de voir des procès
qui pour mettre son kiki dans n'importe qui sans demander son avis, qui pour ramasser de l'argent de côté, enfin depuis Fillon et tout ça, etc. Enfin bref, ça a été pendant toutes ces années-là. Et alors, avec le gouvernement actuel en France, c'est vraiment qui sera le plus corrompu pour être le plus proche du président, qui lui adore, semble-t-il, sa coquiner avec des gens corrompus. Ça doit l'exciter, tu vois. C'est merveilleux. Donc, on a un ensemble de corruption qui a été rassemblé, ce qui fait que l'autorité de l'État a été fortement remise en question, l'autorité des institutions, quelles qu'elles soient. Par exemple, les institutions sanitaires ou médicales, avec le Covid-19, ça a été terrible. Il ne faut pas oublier quand Saturne est passé dessus, Saturne Pluton, pile fin 2019, Covid-19. C'est fin 2019 que ce truc sort, et qu'apparemment, il y a de grandes chances que c'était un accident avec des virus qui étaient fabriqués pour faire de la guerre bactériologique, tout simplement. Et tac, une fuite. Après. Il y en a qui vont dire « Ah, c'était voulu », d'autres « C'était pas voulu ». En tout cas, ce qu'on sait, mais maintenant c'est sûr, on nous a dit « Ah, mais non, tu déconnes, tu complotises », maintenant on sait, c'est sûr, c'est bien, on a les séquences d'ADN sont bien repérées, c'était bien un OGM fabriqué pour la guerre bactériologique, échappé d'un non pas d'une chauve-souris, d'un pangolin, ou d'un, mais échappé tout simplement de... Alors, évidemment, après, si on a un virus OGM, on peut comprendre de manière, pour justifier Pfizer et les excuser, les pauvres, ils sont tellement gentils, ces gens-là, pour les excuser, on peut dire, bah oui, à partir du moment où t'as un virus qui est OGM, il faut bien injecter un OGM aux gens. Mais on va pas leur dire, sinon les gens ils vont dire, ah, les OGM, j'en veux pas, ils chuchotent. On va leur dire, c'est de l'ARN messager. Ah, bah ça va mieux. C'est du progrès, donc, parce que les OGM, c'est pareil, pour l'agriculture, il n'y a plus d'OGM, non, on lui met des NGT. C'est quoi NGT? Bah, c'est un organisme qui a été modifié génétiquement, mais qui est nouveau. Organisme génétiquement modifié, ben, c'est un OGM quoi. Ah non, faut pas dire OGM, non, c'est un NGT, c'est nouveau. c'est nouveau quoi. Donc, vous n'êtes pas pour le progrès. Bah ben, alors, voilà, donc on essaie de vous refiler par en dessous les OGM, de même qu'on les a injectés pendant le truc. Je me rappelle toujours Charline, tu te rappelles, dans l'émission Par Jupiter, où il y a le type de. Comment il s'appelle de, oh, C'est pas un musicien, non? Ouais, c'est pas tout en camon. Oh, je me rends. Putain. Akhenaton. Akhenaton, tout en camon. Akhenaton, le chanteur de rap qui est là, puis qui est quand même pas con. Hein. Il a des paroles de chansons très très bien. Et donc, il explique le truc des vaccins. Il dit, oh, alors vous êtes fait vacciner? Qui lui dit Charlie. Il dit, ah ben non, moi je ne suis pas fait vacciner. Hein. J'ai pas vu de m'injecter un OGM. Qui dit, avec l'accent martien comme ça. Charlie qui dit, ah, mais c'est pas des OGM. Ah oui, mais vous rigolez, bien sûr, c'est des OGM. ARN messager, vous croyez que ça, c'est des OGM, bien sûr. Ah, mais vous êtes fous, non, c'est pas des OGM. Elle savait pas que c'est OGM, comme 99% des Français. Donc en fait, on a soi-disant sauvé des gens, on n'a pas compté les morts, on n'a pas compté les accidents, on n'a pas compté toutes les maladies génétiques que ça a pu créer derrière. En vérité, c'est une sacrée catastrophe collective, mais il faut encore rien dire. Il faudra attendre le sextile de Saturne à Pluton pour que ça apparaisse vraiment. Mais déjà, on a un demi-sextile, hein. Saturne Pluton et il y a des choses qui commencent à se savoir vraiment. C'est dans combien de temps? Bah, il faut attendre que Saturne traverse tout Poisson et là il y a du boulot en Poisson. Il faut s'occuper de la misère, il faut s'occuper de tout ça, quand il va rentrer en Bélier, Pluton on sera en Verseau, qui va être là, il sera tout près de Saturne Bacchus et Pluton et là il va y avoir une lutte assez forte qui va reproduire. Enfin bon, c'est encore loin ça. On fera année après année. Mais là déjà par le sextile, c'est déjà en train d'avoir lieu. On a déjà la révélation que, par exemple, les gens qui étaient injectés, ils ont été vaccinés, donc, soi-disant, puisque ce n'est pas un vaccin, je dis injecté, les gens qui étaient injectés avec cet ARN messager étaient contagieux. Ça, il fallait surtout pas le dire. Maintenant, c'est prouvé par des gens qui ne sont pas du tout ni wokistes, ni complotistes, ni sectes, ni, enfin, les gens propres sur eux. Sauf que maintenant, ils disent « Non, mais on n'a jamais dit ça !» On n'a jamais dit que ça protégeait... Oui, ils disent qu'ils ne l'ont jamais dit, mais c'est ça. C'est un peu comme Staline, il effaçait les photos où il y avait ses ennemis du peuple, où il était à côté, en train de leur serrer la main. Alors il n'y a plus rien, il y a un blanc sur la photo, il y a un périsage qui est redessiné derrière. Il n'a jamais existé, ceci n'a jamais existé. Vous avez vu ça? Ne me dites pas, vous avez vu ça quand? Ah bah oui, vous êtes fait avoir par des complotistes, c'est pour ça. On vous a fait croire ça, mais ça n'a jamais existé. Donc on voit que les techniques de gouvernement manipulatoire ne se perdent jamais. Bon, ça c'est pour... donc, mais il est vrai que... Donc, ça Pluton-Lune, ouais, Pluton-Lune,
On peut justement voir aussi des choses sur Jupiter en lune, la santé naturelle, le taureau, hein. Le carré de qui va être en Verseau après là-dessus, ça nous dit attaque sur les médecines naturelles, attaque sur les gens qui veulent vivre dans la nature, attaque pour tous ceux qui veulent, qui incarnent la lune, c'est incarner simplement. Oui, parce qu'ils essayent de dire que les gens qui sont dans certains types d'éco-villages sont des sectes. Oui, là, c'est ça. Il va s'agir de faire glisser le concept secte. Qui, comme complotistes, sont c'est insultant, quoi. C'est tu fais partie d'une secte. On va faire glisser ce paquet conceptuel, ce paquet sémantique, on va le faire glisser sur les endroits qui nous intéressent, c'est-à-dire. C'était ce qui était contre l'injection d'OGM, et maintenant ça va être contre ceux qui veulent créer des écovillages, tout ça. En le faisant glisser dessus, on pourra aider tout le monde, c'est une aide, hein, à comprendre qu'effectivement, si tu veux aller dans des écovillages, c'est que tu n'es pas tellement bien intégré socialement, et peut-être tu as un petit problème psychologique, on va essayer de le résoudre ensemble. Si tu veux. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'esprit de. En fait, tu es mal dans ta peau, quoi. Voilà. Alors que, regarde, Attal et Macron, ils sont bien à leur peau. Voilà le bon exemple. Donc on va diriger, donc on voit le côté corrompu là qui vient essayer d'attaquer le côté vivant, le côté de ceux qui veulent vivre, sous-entendu des gens qui veulent vivre dans la nature, ça c'est potentiellement des rêveurs, quoi, des gens un peu est-ce que ça peut pas à la retarde, quoi. Ça peut pas donner aussi des nouvelles maladies, l'idée qu'il va y avoir, oui, tout à maladies. Fait parce que le carré lune Pluton attaque quand même le corps, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas fou, mais ça attaque d'abord la psyché, ça peut être l'idée de Pluton lune, ça peut être une période de grosse dépression. Beaucoup de dépression, parce que quand c'est ce qui se passe, il y a plein de jeunes qui disent moi j'ai plus envie de vivre ça, je quitte, j'ai mon diplôme de comme HEC ou je sais pas quoi, ou comme les autres là. J'avais bien aimé, là, comment il s'appelait Agro-Paritech. Des jeunes, ils ont leur diplôme, ils ont 5 ans, ils ont un super diplôme. Ils disent c'est tellement con qu'on se demande de faire. En fait, ils disent pas comme ça, ils disent avec un langage plus châtié. Je n'ai plus envie de servir ce système, donc je vais aller me foutre la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, pour enfin servir à être utile à mes contemporains, au lieu d'être quelqu'un, un rat qui gagne plein de fric en vendant très cher des technologies qui détruisent la planète. Moi j'ai fait ça étant jeune, mais bon, j'étais bien le seul, tout le monde a pris pour un fou à l'époque, mais c'est exactement cet argument là, j'ai écrit une lettre pareille au directeur de l'INSEP avec les arguments, les gens m'ont dit il est fou celui-là, il a une carrière en or, il pouvait avoir 17 000 euros par mois et puis il va se retrouver avec même pas 1000 euros par mois parce qu'il veut pas participer. Bon, ok, maintenant ça commence à se faire, donc cette contradiction entre le pouvoir et puis le bien vivre, le buen vivir, comme disent les Sud-Américains, ils appellent ça buen vivir, c'est joli, ça va devenir criant. Et on va s'apercevoir que, ou bien tu veux le pouvoir, tu veux t'acoquiner avec la corruption et bosser comme un dingue là, pour la compétition, ou bien tu veux bien vivre, et c'est pas pareil. Et ça va commencer à se réfléchir dans le peuple, là, parce que la Lune, c'est le peuple. C'est ça qui est avantageux, c'est comme quand il y a très beaux aspects, comme l'année dernière, il y en avait très beaux aussi, mais que la Lune qui représente le peuple, est un peu hors-jeu, elle n'est pas tout à fait l'enjeu, elle est avec Lune Bacchus, tout ça. C'était Mercure et Vénus, donc qui bossait avec Neptune, voilà. Enfin, voilà. Le thème était un peu différent, ça. On voit que ça allait râler, mais pour d'autres causes, ça a été. Ce qui est marrant, c'est quand on voit le thème que j'ai fait en 2023, c'est marrant parce que tous les cycles que j'avais dit ont bel lieu. Là, c'était la guéguerre pour les retraites. Et puis après, ça a été cette révolte dans les banlieues, dont j'ai bien parlé sur mes trucs de révolte de la jeunesse, et qui est tombée avec l'assassinat par un flic du petit jeune là, qui était au volant. Naël, ou est-ce que. Non, c'était pas Naël, c'était Naël. Oh, j'ai confondu tout. Oui, parce qu'il y en a un autre maintenant. Il y a en ce moment le procès de l'autre, celui qui s'est fait. Oui, celui qui s'est fait. Qui s'est fait engrossé par un CRS. Qui est devenu handicapé à vie maintenant. Parce ça veut dire qu'il a une lunette artificielle, c'est-à-dire qu'il a une poche sur le ventre. Ouais, ouais. Et qu'il fait caca dans une poche sur le ventre. Ouais, c'est ça. Ce qui est pour assez terrible. Oui. Ouais, pour toute sa vie. Ouais. Ouais. Pour toute sa vie, il faut que. Parce que la matraque télescopique a dérapé malencontreusement à l'intérieur, tout droit à l'intérieur de son anus. C'est formidable, quoi. Tu te dis, mais. Ça a rifé. Pour en arriver à une telle destruction, il faut vraiment y aller très fort. Ah oui, il faut être dingue d'autoritarisme, c'est-à-dire il faut être complètement fachou pour faire ça. Et alors là, ils vont, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont devoir marcher sur des œufs, parce que ils sont en train d'essayer de relâcher le type qui a fait ça. Ben oui, il est flic, donc il n'est pas citoyen comme les autres. Ah, puis, j'ai il n'est pas dire, citoyen. Ah ouais, mais il n'a pas du tout le profil, du tout. Il est gentil. Ah, bien sûr.
Tu peux faire ça avec n'importe qui. Si tu prends un type dans sa famille en train de jouer avec ses enfants, les bandes annonces pendant le nazisme pour Hitler, ils montrent Hitler et Goebbels, on les voyait en train de caresser le chien d'Hitler, qui était un grand berger allemand, effectivement. Pas un berger français quand même, c'était un berger allemand, qui caressait le chien, tout ça. Et tu vois, Adolf, il était vachement gentil avec son chien, tu vois, le chien, il était content, gueule à sa côté qui rigolait, qui lui donnait une de ses saucisses, un gros sacrifice de sa part, mais c'était pour le chien d'Hitler, donc il donnait une de ses saucisses au chien, le chien était heureux, enfin, tout le monde était heureux, quoi, sur le nid d'aigle, c'était extrêmement sympathique tous ces gens, c'était très très sympathique. Bref, voilà. Staline, c'est pareil, quand il est mort, il y avait des milliers de personnes qui se sont rassemblées en pleurant, en larmes, le petit père des peuples qui est mort, Mao, ça fait pareil, tout le monde en larmes, je sais plus combien, une centaine de morts écrasés contre les grilles du Kremlin, écrasé par la foule qui venait pleurer en délire, le petit père des peuples qui était mort, ils avaient oublié, personne ne savait dans ces gens qui ont été écrasés, ils sont tous morts bêtes parce qu'ils ne savaient pas qu'il avait organisé des dizaines de millions de morts par ces goulags, par ces familles organisées, les Ukrainiens s'en rappelaient, ils s'en rappellent encore d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi, ils ont des grands-pères et arrière-grands-pères qui se rappellent de la famine totalement organisée, des famines organisées pour vaincre des théories libertaires, anarchistes, qui avaient lieu en Ukraine. Bref, et qui ne convenaient pas au bolchevisme. Bon, bref, donc quand on regarde tout ça, on voit que Pluton, c'est le seul aspect qu'il fait, mais il est de taille. On peut aussi le lire dans l'autre sens, c'est-à-dire que soit on se dit Pluton opère une forme de destructivité, de tension, le pouvoir ne veut pas de cette nature, mais on peut dire aussi dans l'autre sens, c'est un carré montant, c'est-à-dire le peuple, lui, veut s'arracher aux corruptions du pouvoir. Il veut, par une positivité naturelle, une positivité liée à la nature, il veut s'arracher. C'est ce qu'on appelle le carré montant, vous voyez. Si vous voyez les planètes les plus rapides, c'est la Lune et c'est Jupiter. Donc ça va dans ce sens-là, c'est un carré montant. C'est-à-dire on s'éloigne de la planète fixe qui est celle-là. Si on admet celle-là comme fixe, on voit les deux autres s'éloignent. Donc ce carré montant, c'est un carré que j'appelle martien. C'est pour ça que j'ai failli dire, c'est très actif, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de Mars pourtant, mais c'est un carré martien. Ça veut dire qu'on veut s'arracher à une situation pour en sortir. Ça suffit, on veut. Et c'est confirmé par Saturne, et là c'est un sextile montant. Alors le sextile montant est plus solaire, celui. Et un sextile solaire qui va de Saturne à la Lune et à Saturne à Jupiter, c'est très intéressant aussi. Donc il y a une vision collective de qu'est-ce qu'on veut comme société qui commence à émerger. J'ai fait circuler, on le mettra en dessous, les vœux de la présidente Camille Etienne. C'est excellent, parce que c'est exactement ça. On dirait qu'elle a capté, elle a fait à peu près ses vœux à ce moment-là. Bon, c'est un texte très bien écrit avec un prompteur. Elle lit ça comme s'il était elle-même, Macron, en train de, qui était elle-même présidente de la République française. Du coup, on a envie de les lire, c'est incroyable, ça bouillonne. Mais elle fait ça très très bien, et par contre, c'est très intelligent le texte qui est fait, et on voit que c'est vraiment ce côté responsabilité par rapport aux générations futures, responsabilité par rapport au social, responsabilité par rapport à l'écologie également, et puis le fait, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on investisse dans tout ça. Bon, voilà, donc ça, ce carré-là, ça veut dire, bah oui, on veut échapper à la corruption systématique dans les milieux d'entreprise. Ça peut donner de la révolte ou pas? Alors, Jupiter, carré Pluton, c'est un aspect qu'on trouve chez les gens révoltés. Moi, j'ai dans le natal. Ouais. D'accord. Ouais. Et Uranus rétrograde opposé. Alors, on continue, à Mars, est-ce que ça peut... On continue la description. Pardon, on continue la description. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme dominante. L'ascendant Scorpion sur Paris, intéressant. On s'est intéressé au Soleil. Intéressons-nous à Mars et à Pluton. Pluton, on s'y est intéressé. On voit que sur Paris, sur Bruxelles aussi, c'est à côté. On va avoir... T'as celui de Bruxelles? Non, t'as pas celui de Bruxelles, je crois que... Non. Bon, c'est pas grave. Je vais celui de Paris. On a calé... Tu as celui de Paris, oui. Oui, oui, bah, mais celui de Paris, il va être... Tu le mets à l'écran, c'est bon. Donc, l'ascendant étant en Scorpion, les maîtres, c'est Mars et Pluton. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire à Paris, ou à Bruxelles aussi, Bruxelles, c'est un peu plus loin, et puis c'est tout. On veut faire quelque chose qui va permettre de transformer la société. Cette transformation, Pluton... Il faut retenir les idées écolo, les idées de vivre. Non, on n'est plus là. C'est une société moderne qu'on veut connecter. On ne veut pas de ces uberlus qui vont occuper des terres pour faire la permaculture. Non, ça ne va pas la tête. Donc, et l'autre truc, c'est Mars en Sagittaire. Il faut rassembler les gens parce que... Pourquoi? Parce qu'il y a des élections, tout simplement. On retrouve avec Mars et Cérès. Cérès est en exaltation en Sagittaire. Donc, il est très puissant. Donc il va y avoir des campagnes, à mon avis... À côté de la campagne ratée de Macron pour sa réélection qui a eu lieu
en 2022, ça. Là, la campagne va être beaucoup plus intelligente. Parce que Mars et Cérès, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, à quoi on veut réfléchir vraiment. Avec Cérès en Sagittaire, c'est la philosophie. C'est carrément la capacité de réfléchir philosophiquement vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et donc faire ensemble, mais avec qui? Donc Mars, carré Neptune, carré Apollon. Là, on a la grande question spirituelle qui apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire que on va nous proposer de nous mettre ensemble dans une direction, parce que être ensemble, l'union fait la force, et tous ensemble pour relever la nation, relevons nos manches avec courage, travail, famille et patrie. Non, on ne va pas prendre ce slogan-là, ça ressemble à quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Voilà, donc ça va être ça, travail, le côté travail, c'est ça, Mars, Cérès, c'est le... France, travail. Ouais, ouais. Et pour la voilà, donc État français, voilà, pour ça suffit, la République, et puis tout ça, la démocratie, c'est l'État français, c'est mieux, l'État Capricorne. Donc voilà, là, ça, c'est ensemble. On voit que ça, que Cérès fait un trigone à Chiron, il y a un trigone aussi à Bacchus. Là, on sent les dents qui rayent le parquet du pouvoir et de tous les arrivistes politiques. Là, ça va, on va les entendre chanter leur plus beau couplet. Mais disjonction totale avec ce qu'attendent les gens, Neptune en poisson et Apollon en vierge. Apollon en vierge, alors, Neptune en poisson, il est tout seul. Je rappelle que Neptune en poisson, tant qu'il est en poisson, ça peut être le pire que le meilleur. Le poisson, je dis toujours, c'est le pire et le meilleur qui sont des fois ensemble et qui doivent apprendre à se départager l'un de l'autre, parce que si on garde les deux ensemble, ça fait de la bouillie. Et donc, Neptune en poisson, il y a vraiment une mystique qui monte petit à petit. Regardez, vous parliez de méditation quand, bon, il y a encore de cela pas mal d'années, c'était, ça voulait dire secte. Maintenant, les gens commencent à savoir yoga, méditation, qigong, les gens commencent à s'y mettre et dire, mais finalement, utiliser son corps, puisqu'on ne peut pas utiliser le corps à, je sais pas, à couper des arbres avec la hache, enfin, ou à pousser une charrette ou je sais pas quoi, tout le corps un peu costaud qu'avaient les paysans autrefois, on est loin de cette structure collective. Maintenant, on a une structure où on est tous devant des petits bureaux, des ordinateurs. Et il y a très peu de gens qui travaillent leur corps. Donc il faut trouver un moyen. Le sport a été très mis en avant pendant que cette planète-là était plus en Capricorne, comme ça, l'espoir. Mais depuis que c'est en Verseau, puis surtout en poisson, on commence à se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire du corps un corps conscient, un corps qui est habité par l'esprit? Et là, on va avoir le yoga, tous les yogas possibles, tout ça. Et ça renforce l'idée de spiritualité. Parce que quand le corps devient conscient, qu'est-ce qui se passe? La spiritualité émerge spontanément. Alors qu'on croyait que c'était des croyances. Et non, la spiritualité, c'est le contact de la relationnelle que j'ai avec ma propre âme, parce que mon corps s'est libéré et des toxines alimentaires, et des toxines psychologiques, les thérapies psychologiques, et des toxines mentales, tous les conditionnements collectifs faits par la télé, internet, tout ça, et surtout les toxines énergétiques, c'est-à-dire ce qui fait que, ne bougeant pas mon corps, l'énergie stagne et ne circule pas. Quand l'énergie circule en entier, tout d'un coup, pouf, ça débouche vers le conditionnement cosmo-énergétique se casse, pour retourner vers un conditionnement uniquement des astres et pas simplement des pressions, j'ai envie de dire des pressions énergétiques que crée le collectif. On sort de l'œuf de la matrice, quoi. Alors, Neptune encore en poisson toute l'année, là, et donc c'est qu'en 2025 il rentrera en bélier. Tant qu'il est là, il est sur un endroit en plus que je connais bien, c'est mon Mercure qui est là. Et donc là, c'est un endroit où, en fait, la capacité à aller vers le spirituel, vers l'éveil, vers la démarche spirituelle, vers la recherche de l'éveil est très très forte. Alors attention, parce que on voit très bien qu'il y a une opposition entre Neptune et Apollon. On a un double problème. D'un côté, il nous faut nous éveiller spirituellement, parce que tant que l'on se croit digne de la démocratie, c'est-à-dire digne de donner son opinion avec un bulletin, alors qu'on n'a pas étudié comment fonctionne la politique, la culture, la civilisation, tout ça, et qu'on met celui qui a le mieux parlé, le dernier qu'on a entendu à la télé, évidemment, la démocratie devient inutilisable s'il y a trop d'ignorance. Donc, or, l'ignorance, pour rattraper toute la connaissance qui est contenue dans Wikipédia, tout ça, vous ne pouvez pas. Vous allez sur Wikipédia, puis vous prenez pour argent comptant ce qu'il y a. Comment faut faire ? La seule solution, c'est que l'intellect ne soit pas obligé d'aller à droite, à gauche sur Internet, se perdre dans les algorithmes. La seule solution, c'est d'élever le niveau de conscience. Quand vous élevez le niveau de conscience par la méditation, l'esprit devient naturellement capable de trier entre ce qui est vrai ou faux.
Et ça, c'est essentiel. Les gens n'ont pas encore compris ça en France. C'est-à-dire qu'ils croient qu'il faut méditer pour être calme, pour se retrouver zen comme ça. Puis, oh là, oh, je suis calme. Bon, on s'en fout que tu sois calme. Si après, tu as des choses à faire et que tu t'énerves un peu, ça ne va rien changer. Ce n'est pas une question d'énervement ou de calme, en fait. La technique demande de passer par le calme pour trouver ce type de conscience. Mais ce type de conscience, c'est derrière le calme. C'est un type de conscience qui permet qu'en fait, la vision de quels sont mes vrais problèmes, pourquoi ont-ils lieu, où est-ce que ça va, comment je peux les résoudre, c'est Neptune qui va vous indiquer ça. Et Neptune, c'est-à-dire, ça se déverse venant de votre âme, ça vous dit, ok, arrête ça et commence plutôt à faire ça. Arrête de croire ça parce que c'est ton émotionnel ou ton mental qui te le fait croire, c'est pas toi. Ah bon, parce que je suis quelqu'un d'autre que mon émotionnel ou mon mental, les gens ne savent pas, ou que mon physique. Donc, ceux qui sont entraînés physiquement, sexuellement, émotionnellement, affectivement, donc mentalement, ou bien politiquement, tout ça, c'est philosophiquement dans des fausses directions, il faut des fois des années pour revenir sur comment on était conditionné et relire un bouquin qui dit l'inverse du précédent pour dire finalement je m'étais gouré. J'ai vu une émission excellente, là, c'était Les Pieds sur Terre, un néo-nazi qui témoignait comment il s'était réveillé petit à petit de son délire néo-nazi, mais le type il était sincère, il était gentil en plus comme type. Néo-nazi est gentil. Ah, je lui dis, mais comment ils font les gens? C'est de la soupe qu'ils ont. Le type, il avait de la soupe dans la tête. Il aimait bien le hard rock, il avait trouvé du hard rock nazi, c'est pas du métal néo-nazi. Métal néo-nazi. Alors ils ont tous les cheveux longs, plus des croix gammées partout, et ça déménage. Ah, putain, il était fier quoi d'être néo-nazi. Évidemment, après on lui dit, bah t'es néo-nazi, c'est normal, faut que t'ailles casser la gueule à des Arabes. Ah bon, c'est ça qu'il faut faire un peu? Bon bah alors je coche, d'abord je joue du métal, puis après je coche, bah je vais casser la gueule à des Arabes et ça, et puis après, ah qu'est-ce qu'on se marre, et puis après tout d'un coup ils se rendent, mais attends, ce type-là. Et il va être obligé de rentrer dans le monde du travail, parce que tout ça, c'est pas en tout le temps où il est au chômage et qu'il trouve pas de boulot. Et quand enfin il trouve du boulot. Il est ado aussi. Quand il est ado et puis qu'il a pas de boulot, tout ça, puis tout d'un coup qu'il trouve un boulot, et là il est obligé de bosser avec un arabe. Et là, il dit, ah putain, est-ce que je vais devoir le tuer avant la fin de... Non, il faut que je garde mon boulot, je peux pas le tuer. Ne pouvant pas le tuer, il est obligé de parler avec lui, parce que. Et là il se découvre que le type, il est vachement sympa. Il se comporte pas du tout comme un arabe pour un arabe, et après il lui fait rencontrer deux arabes, sa famille arabe, et tous ces arabes ne se comportent pas comme des arabes, c'est bizarre. Et là, il commence à dire, ah, mais si ça se trouve, c'est moi qui crois que les arabes. Non, c'est pas possible, on ne m'aurait pas trompé à ce point-là quand même. Et voilà, et on se réveille. Et ça, l'être humain, là, c'est une caricature que je fais. Tout être humain est appelé à se réveiller. C'est ce qu'on appelle peut-être le wokisme, se réveiller. Se réveiller de ce qu'il croyait avant pour se rendre compte, ah, le monde est plus large que ce que ma petite mentale en a cru. Et ça, donc, méditer, c'est pas pour s'endormir. Et donc, ça demande d'intégrer, parce que Saturne, l'opposition pour moi est saturnienne. L'opposition pour moi, c'est pas un mauvais aspect, c'est un aspect d'une intégration cohérente. Il faut intégrer en même temps la spiritualité avec en face l'écologie. Apollon, attention, il y a Orcus qui est à côté, Junon qui est à côté, et la lune noire. Cet Apollon est bien mal entouré. Mais c'est comme ça, il va falloir comprendre quelle est l'écologie profonde par rapport à l'écologie de surface. Ça, c'est là, j'ai l'impression que. Le collectif français n'est pas du tout. Ah, le collectif français n'est pas prêt là-dessus. Et d'ailleurs, le fait que la lune noire approche de Apollon et que Orcus. Au contraire, il va y avoir une peur. Voilà, il risque d'y avoir une peur. Et d'ailleurs, je viens d'écouter juste avant de parler de l'émission d'aujourd'hui de Affaires Sensibles, qui parle de la fameuse secte Ecovi, que moi j'ai connue de mon vivant, comme on dit. Et donc, que j'ai fréquenté, que j'ai été. Et c'était très bien écrit d'ailleurs, il fait des très bonnes émissions ce type quand même, mais on voit que ça fait partie d'un programme quand même, derrière il y a l'idée, attention ces gens-là qui veulent être vegan, qui veulent vivre pas comme les autres, qui veulent s'isoler comme ça, c'est des gens dangereux, potentiellement c'est une secte. Moi j'ai connu le mec avec ça, j'ai discuté pas mal avec le chef de secte, au bout de une demi-heure de discussion avec lui, je me suis dit, oulala, lui il est pas clair, il a... Alors après j'ai fouillé, j'ai compris qu'en fait... mais les gens qui faisaient partie de sa secte, entre guillemets, et il est vrai qu'il voulait en faire un système de pompage de fric pour. En fait, il était agent secret de plusieurs pays, en même temps, c'était un fou ce type. Les services secrets adorent ce genre de personnes, très très intelligents, très habiles, et qui sont très manipulateurs. Et en fait, il avait un triple agenda, au moins, il était au moins agent triple. Et en fait, il a participé au financement de l'IRA. À l'époque, c'était très chaud avec Thatcher. Et il y avait les gens de l'IRA qui voulaient se révolter contre Thatcher.
Et ils étaient tous en train de crever les uns après les autres en prison. C'était horrible ce qu'elle leur faisait, parce qu'elle disait, j'avais aucune discussion avec eux, ce sont des terroristes. Et puis ils faisaient des grèves de la faim, ils mouraient tous les uns après les autres de grèves de la faim. Et lui, il avait été révolté par ça, et donc il disait, comment faire du fric? Et ben, je dis, je vais aller chez les petits Français qui sont tranquilles, et je vais faire du fric. Et il avait réussi un sacré coup, hein. il était vraiment très fort. Mais bon, c'était un manipulateur. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui dit et qui ne fait pas ce qu'il dit. Il pense très bien ce qu'il fait, ça vraiment, mais il ne fait pas ce qu'il dit, il dit pas ce qu'il pense. Voilà. Donc, il ne dit pas ce qu'il fait non plus. Oui, il ne dit pas tout ce qu'il fait non plus, oui, parce qu'il y a des choses qu'il fait, par exemple, où passe l'argent, c'est pas dit non plus. Donc tout ça, c'est fait. Il y avait une cohérence apparente, mais par contre, les gens qui suivaient son mouvement, il y avait beaucoup de gens très très intelligents. Ça ressemblait aux gens qui ont quitté donc la Groupe Paris Tech, des gens qui disaient, bon bah ok, j'ai envie de vivre autrement, qui voulaient, et qui se sont trouvés à vivre en tipi près de, c'est pas de Lille-sur-Seine, c'était Noisy-le-Grand, je crois, ils étaient à 300 mètres des HLM, en plein dans le début de forêt, là, et ils ont vraiment fait un mouvement écologique très intéressant. Sauf qu'ils étaient manipulés en haut de la pyramide, et ça, ils ne le savaient pas eux-mêmes. Et ça a créé beaucoup de souffrance, hein, de dépression après, comme ça, parce que c'était tellement magnifique le mouvement qu'il a créé. En fait, il aurait suffi d'enlever ce type-là et de garder le mouvement, et on avait un mouvement écologiste avant la lettre extrêmement novateur. Ce serait un mouvement qu'il faudrait recommencer maintenant, mais moins le côté pyramidal, le côté qui était organisé tout autour d'un seul type qui était un peu vu comme le gourou, le maître, enfin, le fou gourou dans l'occurrence, parce que c'était pas un gourou, c'était un fou gourou. Bref, donc le fait qu'on ait comme ça des enquêtes qui soient menées contre certains écovillages qui ont tourné vinaigre, et il y en aura de plus en plus d'écovillages qui tournent vinaigre, ça va être monté en épingle pour pas montrer qu'il y a des tas de gens qui essaient de faire des trucs. Parce qu'en fait, par rapport au dernier truc que j'ai lu aussi sur Nexus et tout ça, en fait, ils veulent pas du tout une société décroissante. Il y a toute une partie du système parmi ce qui est le plus installé qui veut une société du contrôle par le numérique. Oui, tout à fait. C'est ce qui est contenu. Bon, on va voir quand Pluton va rentrer en Verseau, ça va se déclencher à fond. Parce que Pluton est déjà rentré en Verseau en 2023. Hein. Il a fait un petit tour pendant 2-3 mois, puis il est revenu. Et il va repasser en Verseau. Et là, pendant qu'il est passé, il a déclenché des sacrées visions de l'avenir assez inquiétantes, effectivement. Donc, se rappeler qu'on... Alors, cet aspect-là, on l'avait déjà eu l'année dernière, et il se referme sur Apollon, Proserpine, Uranus, qui est pratiquement exact. Alors, c'était pareil l'année dernière, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait Apollon, Uranus, Proserpine, encore un beau sextile qui se refermait par le trigone au Capricorne là-haut. Là, il n'y a plus rien en Capricorne ici, c'est terminé. Donc, cet aspect reste potentiellement là, mais il ne va pas être tellement incarné. C'était la montée, en fait, de toutes les pensées écologiques. Donc, Camille Etienne, tout ça. Vraiment, cette année, tu écoutes, par exemple, des trucs France Inter, nous, on est obligé d'écouter la radio nationale, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'on ne peut pas aller sur Internet avec notre maladie. Mais c'est intéressant, parce qu'on a vu, il y a eu vraiment une montée en épingle presque de tout ce qui était écologique, parce que il y a carrément des journalistes qui ont retourné leur veste, hein, qui n'étaient pas prévus pour ça. On pense à comment, c'est pas Denis Chissou, lui il était vraiment écolo du pur, mais l'autre, la Terre au carré, avant c'était la science au carré, il a changé de titre sur l'émission, il a mis la Terre au carré, c'est devenu une émission hyper écologique, parce qu'il s'est aperçu que scientifiquement, l'écologie, le GIEC, ça tenait debout. Donc c'est des gens qui commencent à se réveiller, qui disent, mais attends, je vais pas continuer à faire des émissions sur les semi-conducteurs, alors qu'on a, si ça se trouve, c'est ma responsabilité en tant que quelqu'un, journaliste, qui a un public, de parler de ce problème qui est essentiel, quoi. Donc ça va continuer, mais en sous-jacent. On voit que c'est pas... Alors, mais attaqué, évidemment, par ce Mars en Sagittaire, ce politicard intelligent, là, qui peut être le nouveau Premier ministre, ou des gens comme ça, des gens qui peuvent essayer de dénoncer tout ce qui est soi-disant, d'un côté gourou, secte, et de l'autre côté nature, naturopathie, médecine douce, et les deux ensemble de préférence. Et ça, c'est un carré très négatif. C'est-à-dire que cette année, on peut avoir une impression qu'on va essayer de nous unifier pour la grande secte, contre toutes les petites sectes qui pourraient être, créatives, alternatives, et qui, en général, ne sont pas des sectes, parce que c'est trop... Si on laisse les gens libres, on ne peut pas appeler ça secte. Oui, c'est comme tout ce que les découvertes récentes, enfin, qui ne sont pas récentes, mais disons les synthèses récentes faites autour des psychotropes. Oui, ça s'est fait pareil. Qui sont plus efficaces que les antidépresseurs
et que les psychotropes. Ça fait monter, oui. Donc ça, c'est ça, en France, c'est ils n'en veulent pas. Mmh. Ils n'en veulent pas. Ça va faire monter la même parano que quand il y a eu Timothy Leary aux États-Unis dans les années 60, qui a cru que le LSD, c'était la panacée universelle, ça s'appelait Onas, je crois. Non, la panacée qui allait guérir toutes les maladies psychologiques, et c'était vrai, il était lui-même psychothérapeute et psychiatre, et donc il savait de quoi il parlait. Il a fait plein d'expériences sur des étudiants, il a fait faire vivre des sorties de névrose grâce à des substances comme ça. Mais après, il s'est pris pour le pape de ce qu'on l'a appelé le pape du LSD. Il s'est mis à distribuer du LSD partout. Et la CIA, le FBI, ils lui sont tombés dessus. C'était le FBI d'ailleurs. Tombés dessus en disant, ils l'ont appelé l'homme le plus dangereux des États-Unis à une époque, tellement ils avaient la trouille de ce qu'il est en train de faire. Parce que toute la jeunesse américaine friquée et assez, assez intelligente, ils sont tous devenus hippies. Alors c'était, et plus la musique qui accompagnait les Doors, Jimi Hendrix et Janis Joplin, tout ça. Ils ont dit, où est-ce qu'on va, quoi. Mais maintenant, il y a une espèce de revival de ça. Mais, bien sûr. Avec, entre les psychotropes, les néo-chamans, les gens qui font des expériences psychiques, les gens qui font des expériences hors de leur corps, les gens qui, etc., etc., et l'écologie profonde, et l'écologie avec les esprits de la nature et tout ça, quand tu fais... Il y en a qui commencent à faire des synthèses, et puis la physique quantique, il y a des gens qui commencent à faire des synthèses de ça. On est un stade plus loin. Mais le... On est un stade beaucoup plus loin, parce que à l'époque, quand tu prends 64, année célébrissime, 64, quand tu prends 64, 65, 66, tu as la conjonction Uranus-Pluton qui est opposée à Saturne en poisson dans cet axe-là, justement. Toujours l'axe en vierge et en poisson. Et on voit très bien que Saturne revient en poisson. Donc, il revient pour ces gens-là. Ils approchent 59 ans. Qui c'est qui était dans la rue avec les retraites, tout ça? Tous les gens qui étaient 64, 66, ils étaient furieux. Ils étaient remontés parce que c'est leur propre retraite. Et ils étaient presque au bout. Il n'y a rien de pire que quand tu avais dit, bon, bah, je bosserai plus tard, tant pis, se trouve, il n'y aura plus de retraite. C'est ce que je me disais quand j'étais jeune. Le monde aura changé, il n'y aura plus ces trucs-là. On aura changé. Bon, mais sauf que ceux qui disaient « Ah putain, j'ai plus qu'un an à tirer. Ah non, t'en rajoutes encore ?» Ah ben là, ils n'étaient pas contents. Hein. Et parce que Saturne, revenant en poisson, il a refait la relation avec Uranus-Pluton qui représente une forme de révolte. Uranus-Pluton en Vierge, c'est une révolte un peu douce parce que la Vierge est toujours adoucie, étouffe un peu tout pour le mentaliser. Donc ils sont beaucoup révoltés sur Internet. Ils ont fait des coups de gueule extraordinaires sur leur clavier. Quoi. Mais ils n'ont pas beaucoup. Et là, ils sont carrément descendus de la rue. Alors là, ils ont été effarés. C'était la première fois. Des petits bureaucrates, des petits technocrates, des gens qui ont vécu avec le miracle économique européen, quoi, qui sont donc, c'est pas des Africains, ni des... Voilà, c'est des Asiatiques. Voilà, c'est des gens qui ont vécu dans une forme de confort, Uranus-Pluton, qui ont un sens critique très développé. Uranus-Pluton, ça donne un sens critique assez développé, mais qui n'avait jamais, c'était jamais appliqué très très concrètement. Peut-être sur la santé, déjà, c'est ceux qui ont commencé à adopter les médecines douces et tout ça, les compléments alimentaires, se soigner autrement. Mais là, ils sont descendus de la rue parce qu'il y a, voilà, il y avait mal donne, quoi. Et là, cet axe-là, il est occupé maintenant par Neptune. Donc c'est des gens qui sont en train de se brancher spiritualité pour garder de l'espérance, pour garder de la foi dans ce qui est en train de se passer. Quoi. Parce que sinon, il y a de quoi... voilà. Dernier petit aspect qu'il faut regarder sur ce thème. Je demande combien de temps on a. Ouais. Alors, dernier aspect qui nous reste, il est où? Oui. Proserpine, là où il est, fait un carré à Chiron. Ça, c'est pas très sympa parce que c'est les maîtres de la balance, mais en balance, il n'y a rien du tout. Bon. C'est un aspect qui veut dire que les moyens techniques, si on veut, pour se libérer, les thérapies, les techniques, les nouveaux messages et les choses inventées qui permettent de sortir des sentiers battus, vont être en contradiction avec le Proserpine en Cancer, c'est-à-dire l'habitude qu'on a du cocooning, du rester chez soi. On pourrait dire que c'est l'infantilisation des masques qui a été obtenue par le doudou, la tétine de verre, j'appelais ça le portable, quoi. La tétine de verre pour adolescents attardés jusqu'à 45 ans. Ce truc-là va être en contradiction, ce cocooning de « je veux garder mes habitudes parce que j'ai l'habitude, c'est comme ça que j'ai été élevé, mes conditionnements, je les aime bien finalement », ça va rentrer en contradiction avec Chiron en Bélier qui nous dit « bah là, faut se bouger, faut changer, faut remuer », parce que et ce Chiron qui est trigone à Cérès, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre deux astéroïdes qui disent « il faut que tu comprennes mieux les choses et il faut que tu les mettes plus en place, Bélier, dans ta vie, immédiatement. » Qu'est-ce que ça donne, Chiron rétrograde? Ça veut dire quoi? Chiron rétrograde, c'est pas quand les planètes au-delà de Saturne sont rétrogrades, c'est à mon avis c'est jamais mauvais. Jupiter Mercure rétrograde, ça, j'ai beaucoup interprété parce que c'est fort. Ouais. Par contre, quand Chiron
Uranus est rétrograde, Neptune ou Pluton sont rétrogrades. Là, ils sont directs, hein, ils ne sont pas rétrogrades. Mais quand, voilà, toutes les planètes, même Proserpine, rétrograde, il n'est pas marqué rétrograde. Ouais, bien sûr, il est rétrograde. Là, c'est une erreur, pardon. Ah, il est rétrograde. Oui, bien sûr. Tout ce qui est dans. Tu fais le Soleil, tu fais 108 degrés d'un côté et de l'autre, tout ce qui est là est rétrograde. Enfin, sauf des points fictifs. Mais ce point-là est rétrograde. Bon, bref, vous avez rectifié de vous-même, évidemment. Tu parles. Ouais, bon, voilà, toc. Quand des planètes comme ça, au-delà de Saturne, sont rétrogrades, donc des planètes collectives, elles permettent aux individus de mieux les digérer. Parce que quand elles sont collectives, elles avancent à toute vitesse et vous entraînent dans le maelstrom des changements collectifs, les catastrophes, des crises économiques et tout ça. Et vous êtes là, il faut s'adapter. Et à ce moment-là, ceux qui ont ces mêmes planètes directes dans leur thème vont immédiatement proposer des solutions. Ah bah oui, je sais quoi faire. Et vous qui vont vouloir foncer dans des solutions très très radicales quelquefois. Et alors ils vont prendre plus la lumière que ceux qui justement, qui ont, avec les planètes rétrogrades, on est plus à même de philosopher, de rentrer à l'intérieur de soi, de trouver les vraies solutions du coup, qui sont plus profondes, plus conscientes, moins mentales. Et du coup, quand on les propose, elles ont la mérite d'avoir été réfléchies. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse et les dates? Alors, les dates, on y va, on va faire un peu. Ah non, mais les dates, la synthèse, elle est faite en écrivant. Oui, d'accord. Alors, il nous manque que Vénus oppose Uranus. Ça, c'est pour les histoires un peu affectives. Vénus en scorpion, on n'est pas très à l'aise en scorpion. Uranus en taureau, il est un peu facho, on a dit. C'est un peu problématique parce que ça veut dire que les gens vont vouloir, par rapport à la déprime jupitérienne et Pluton, là, vont vouloir évidemment trouver du plaisir parce que leur seul logiciel qu'on leur a autorisé, c'est prenez du plaisir, amusez-vous. Alors ils vont vouloir s'amuser, mais ça va devenir carrément un fake, quoi. C'est-à-dire que petit à petit, on va aller à l'amusement et à la sexualité. Sexualité et amusement, c'est pas la même chose, on peut mélanger les deux, évidemment. On va aller dans l'amusement, le jeu, la sexualité jusqu'à l'écœurement. Et ça va être très français, hein, près de Vénus, là, Vénus Scorpion. Et oui, il faudra toujours essayer quelque chose de nouveau, la tête en bas, sur une échelle, avec ou sans préservatif, ce que vous voulez. Et ça, c'est pas ça qui va rendre plus heureux. Donc à un moment donné, les gens vont commencer à être écœurés de. Alors il va y avoir les nos sexes qui vont avoir plus de succès. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon bah voilà, si le sexe est sans arrêt faire quelque chose de nouveau, intéressant, mais pour perdre son âme petit à petit, à quoi ça sert? Le Vénus est un peu isolé. Ceci dit, pour ceux qui veulent pas être dans cet aspect-là, qui veulent réfléchir, ben, on a le Vénus qui est trigone à Proserpine, donc il y a des capacités d'amour qui sont très grandes, et Vénus sextile à Apollon. Donc c'est un Vénus qui peut se relever au niveau spirituel assez facilement. C'est-à-dire, ça n'empêche pas d'aimer de l'amour affectif ni l'amour sexuel. Ça veut dire qu'on n'est pas pris dans ça comme une espèce d'un échappatoire pour échapper à l'étouffement par une société complètement qui devient totalitaire à force d'être informatisée, d'être mécanisée, d'être robotisée. Et les gens deviennent de plus en plus robotisés, hein, ils n'en peuvent plus. Hein. Et tous les gestionnaires sont là, ils ont fait des études pas possibles pour réduire le temps dans lequel vous devez faire la même chose. Donc c'est tellement réduit que les gens étouffent, quoi. Ils ont plus l'idée qu'ils doivent respirer entre deux sets de travail n'existe plus. Donc effectivement, ils étouffent. Et au bout d'un moment, c'est burn-out et compagnie. Plus les ondes qui s'accumulent, qui font que les burn-out sont augmentés parce qu'il y a un stress dû aux ondes. Et au bout d'un moment, bon voilà, Vénus, Uranus, ça va être j'en peux plus, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'aller ailleurs. Il y a plein de gens qui vont le faire, mais ça ne va pas forcément être l'exemple à suivre. Il est plus intéressant d'aller chercher Proserpine, c'est-à-dire l'amour intérieur, l'amour-compassion, faire du bien aux autres, par exemple, et puis Vénus, Apollon, l'idée justement un peu christique, chrétienne. Alors malheureusement, ça peut créer aussi une montée des groupes chrétiens évangélistes qui viennent des États-Unis, qui veut dire, allez, libère-toi, Jésus est vivant, tu ne le sais pas, mais moi je le sais, je vais te... Voilà, toutes ces espèces de comment on s'appelle de show, de méga-show, soi-disant chrétien, avec beaucoup de poudre aux yeux, et où le phénomène spirituel est pas mal relégué en arrière par rapport au show, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, ces gens-là, ces pasteurs de la télé, là, américaine, gagnent énormément d'argent. C'est pas spécialement ce que Jésus avait dit de faire, mais c'est un grand succès parce que c'est médiatisé, c'est très spectaculaire. Il y a des espèces d'expériences chamanico-christiques là, où on se met à 4-5 autour d'une personne, on la secoue avec une bonne énergie du cœur, évidemment. Vous faites ça chez vous à plusieurs, vous allez remarquer, ça marche pour tout le monde, hein, c'est pas qui est Jésus ou pas Jésus. En fait, c'est pas spécialement relié au Christ, à mon avis. Hein. La religion du Christ est plus profonde que ça. Alors, on va voir les dates. Alors, déjà, Pluton a signalé le 21 janvier, là le thème il est presque passé, là on est le 11,
le 21 janvier, dans une dizaine de jours, il va rentrer en Verseau en même temps que le Soleil va rentrer en Verseau. On est le 15. On est le 15, pardon. Ah oui, c'est dans. Il faut mettre la vidéo vite fait. Alors ça, ouais, on est déjà en norme. Ça veut dire catastrophe. Hein. Ça veut dire des catastrophes en cours. Il y a un volcan. Oui, j'ai appris ça. C'est pour ça que je voulais le faire plus tôt que ça. C'est un truc que je savais. Je me disais, ça peut être volcanique à cause de la Terre ici qui explose. En tout cas, à chaque fois que le Soleil passe sur Pluton, vous remarquerez tous les ans, il y a des problématiques qui arrivent. Ça peut être des crises énormes. Mais là, on est. Alors, ça peut être aussi des crises au niveau relationnel aussi, parce qu'en France, c'est la maison 3. Hein. Ça peut être des révélations douteuses de corruption sur ceci ou cela. Bon, bref, on va voir. Le 21 janvier, il rentre en Verseau, et là, il faut quand même signaler que Pluton en Verseau, c'est quand même, c'est ChatGPT, c'est de nouvelles technologies qui vont apparaître, c'est Energizine, là, les piles nucléaires, là, qui sont des espèces de micro-piles qui seront faites avec, ou la radioactivité, le dégagement radioactif fabriquant l'électricité, les micro-piles, c'est pas les piles enrichies à l'uranium, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est des technologies qui coûteront énormément cher, mais qui seront utilisées pour les robots et tout ça. Facilement, parce que si c'est cher, il faut que la machine on le met, ça soit pas un transistor pour côté de la radio, il faut que ce soit un artefact très cher aussi. Les ingénieurs s'extasient. Les ingénieurs s'extasient. Dont certains que tu connais, je leur ai montré cette nouvelle. Ah, ils étaient. C'est-à-dire, on a. J'avais marqué ça quelque part, je sais plus où j'ai marqué ça. J'ai marqué que c'était la jouissance des transhumanistes qui est en train d'avoir lieu et qui va avoir lieu quand Pluton rentre en Verseau, parce qu'il va y avoir à la fois une espèce de révélation scientifique qui vont se faire. Alors, toujours dans le même sens, hein, toujours, il va y avoir par exemple un truc extraordinaire, une maladie génétique qui n'est pas soignée. Depuis le temps qu'on essaie d'injecter des gènes aux gens, tout d'un coup, au lieu que ça fasse des accidents, qu'on ne dit pas qu'ils ont lieu, tout d'un coup, il y en a un qui va guérir. Alors ça va être, il y a un miracle, on va faire comme les télé-évangélistes, sauf que ça sera de l'évangile de la science, puisque c'est la nouvelle religion. Donc, Pluton rentre en Verseau, va nous annoncer la religion de la science, qui est une catastrophe humanitaire. Je rappelle que Pluton en Verseau, Pluton est dans une exaltation en Lion. Ça a donné le Rolling Stone et tout ça. Ça a donné des trucs. Tous ceux qui avaient Pluton en Lion avaient cette colère vachement grande qui dit on veut tout envoyer péter parce que nous, on porte une vitalité extraordinaire qui dit avec nos guitares, avec nos riffs, on ne veut plus de votre monde, on veut un monde vivant et jeune. Bon, voilà. Ça, c'est Pluton en Lion. Quand Pluton est en Verseau, il est diminué par l'énergie Verseau, qui est une énergie plus cérébrale. Donc Pluton, c'est une énergie instinctive. Et là, l'instinct se planque derrière le cérébral. D'où la montée des fascismes, qui peut très bien avoir lieu encore plus avec le Verseau. Déjà, quand Pluton est chez sur Saturne, c'est déjà pas mal, parce que c'est le désir d'autorité, mais avec le Verseau, c'est « Ah, t'as vraiment rien compris, figure-toi que, et tata, on te fait tout un schéma mental extrêmement sophistiqué pour dire « T'as vu, moi j'ai compris ça, pauvre nouille, pauvre Mélenchon. » Ben bon, il s'agit de faire passer par une pseudo-intelligence, et ça va avoir lieu, c'est-à-dire... À qui va être se croire le plus intelligent avec des théories de plus en plus fumeuses et avec. Et il y a plein de scientifiques qui se donnent à ça maintenant aussi, parce que à partir du moment où tu es payé pour dire des conneries, parce que si tu dis les choses contre le changement climatique et tout ça, tu fais partie des pauvres gens qui vont bientôt être virés de leur boulot parce qu'ils font l'erreur de manifester dans la rue pour dire il faut s'enchaîner à Total ou je sais plus quoi pour dire arrêtons tout, urgence, on ne nous écoute pas, et ben on va encore moins vous écouter, on va vous virer. Par contre, ceux qui vont inventer un petit détail qui dit finalement il n'y a pas de changement climatique et ça, alors ceux-là on va les mettre en valeur. Ah, donc tu vois, il y a quand même un tel. Attends, il a son doctorat. Alors faites gaffe au diplôme. Le Verseau, c'est les diplômes, la connaissance. Faites gaffe à tout ça. Bientôt, ça va plus vouloir rien dire. Il faut savoir que maintenant, quand on donne le bac à quelqu'un, quand on garde le niveau, c'est l'équivalent du BEPC il y a 30 ans de cela. Exactement. Donc 3 ans de moins. Donc c'est quand même, on a changé d'époque, le QI est en train de baisser à toute vitesse, avec Pluton en Verseau, on va jouer à faire semblant que le QI a grimpé d'un coup, parce qu'on va se référer, c'est le scientisme, quoi, on va se référer, on a inventé ça. Ça peut être la géo-ingénierie aussi, comme ça. Oui, la géo-ingénierie, ça peut être Elon Musk, non mais vous inquiétez pas, la planète c'est pas grave, on va terraformer Mars très rapidement, avec des technologies, voilà, les OGM et tout ça, qui vont, ça, on fera du riz qui pousse 4 fois plus vite comme ça, très rapidement ça va fabriquer de l'oxygène. Et en captant l'énergie solaire pour la concentrer sur les cultures, on aura ça, même si c'est un peu plus loin du soleil, il n'y a aucun problème, je vous fais ça dans la demi-heure qui suit. Et donc, il suffit que vous me donniez un peu de fric pour envoyer des... Ah, il y a une lumière qui s'est éteinte. On y voit encore ? Plus rien, non ? Il y a une autre lampe, elle est juste derrière toi. Elle est derrière moi, je crois. Oui, là. Oui,
Ouais, il faut peut-être mettre une note là, parce que les gens qui sont sur YouTube vont avoir très peur et de me voir. Et il vaut mieux qu'ils continuent à voir ma bonne bouche, sinon ça va devenir Nosferatu le vampire, vous annonce l'apocalypse. Ah, ouf, la lumière est revenue. Alors, donc, où j'en étais sur, donc, Pluton, ça va être... Alors, il y a eu ChatGPT, on a vu que pendant que Pluton était en verso, ChatGPT qui est sorti. Bon, est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Pluton était encore en Capricorne hein, quand il a été inventé, c'était en 2022. Mais disons qu'il est sorti partout en public plutôt. Non, on va pas le mettre. C'est pas un thème valable parce qu'il n'y a pas de début à ça. Ça fait un bout de temps que l'intelligence. Il aurait fallu trouver, et j'y pense maintenant, c'est le thème de du groupe de physiciens qui sont réunis dans les années. Fin des années 50, début des années 60, et qui ont mis comme sujet l'intelligence artificielle au programme, et qui ont croisé plein des informaticiens, des ethnologues, tout ça, pour faire un peu comme le GIEC pour le climat, ils ont fait ça pour l'intelligence artificielle, et c'est ça qui est le véritable début de la réflexion à ce sujet. Il y a eu un film qui s'appelle Intelligence artificielle, IA aussi. Enfin, bon, on en est au balbutiement, bien sûr, mais alors il y a beaucoup de. Rappelez-vous que Pluton peut créer d'énormes illusions. Si vous n'avez pas un Uranus solide, et là il n'est pas solide en taureau, hein, il est à l'endroit le pire, il est à l'endroit où le fascisme peut se déclencher très facilement parce qu'on devient réactionnaire en taureau. Et au lieu d'être. Voilà, ok. Et donc, voilà. Donc Pluton rentre en verso, il arrive chez Uranus. Pluton en verso, Uranus en taureau, on n'a pas encore le carré. Mais quand, il a déjà eu lieu le carré. C'est quand que Pluton rentre Uranus. En verso, le 21 janvier? Ben, le 21 janvier. Alors, il fera une petite sortie quand même. Pendant 3 mois, il va sortir du 2 septembre au 19 novembre 2024. Il va refaire à nouveau un petit tour en Capricorne. Et il va revenir sur cette position-là, à peu près. Donc, il va redonner les grandes clés de l'année pour nous dire, terminez votre boulot sur qu'est-ce que c'est que la corruption des élites, qu'est-ce que c'est que la corruption. C'est en fin 2024, quoi. Oui, oui. Donc il y a un petit tour. Mais sinon, toute l'année, il va être globalement... Et alors après, il irait jusqu'à 2043, en verso. Oui. Donc de 2024 jusqu'à 2043, pendant 20 ans, à chaque fois, il fait 20 ans par signe. Oui. Et ça douille. À chaque fois qu'il passe, regardez, les 20 ans qu'il a passé en Capricorne, il a fondamentalement détruit la crédibilité de tous les gouvernements, au point que ceux-ci se sont éloignés. Parce qu'ils sont obligés, hein. Moi je critique Macron, mais je sais qu'il est obligé. Ils sont obligés de s'éloigner des bases populaires et tout ça, parce que les gens sont en train de comprendre, on peut moins les manipuler. Et donc, eux, ils sont obligés de se corrompre, d'autant plus qu'ils sont moins soutenus. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont obligés, de par leurs aspirations, de se corrompre encore plus. Et au bout d'un moment, ils sont obligés de faire appel à un autoritarisme de plus en plus grand, sinon ils sont renversés. Donc, augmentation de la répression policière, augmentation du flicage, augmentation du contrôle des citoyens, augmentation, et l'ordinateur, un outil formidable pour ça, plutôt entrant en verso, va nous montrer toute l'horreur de l'informatisation. C'est-à-dire, le modèle chinois va apparaître dans toute son horreur, c'est-à-dire, on peut très bien remplacer les gens par des numéros, et ils n'y verront que du feu, parce qu'ils le réclameront eux-mêmes. Alors, c'est quand même pratique, je passe mon poignet, touf. Où mon portable est intégré dans mon poignet, comme ça, et hop, des tas de trucs, on va inventer des tas de trucs à la con pour dire, ah bah ouais, voilà, je peux rentrer, dites, je suis rentré, j'ai rien sur moi. Ils ont expérimenté ça dans des boîtes de nuit en Espagne, mais les gens étaient super contents, il fait chaud là-bas, tu vas danser toute la nuit, tu vas pour danser, tu risques rien de perdre, t'as pas ta carte bleue sur toi, tu tends ton poignet, t'as une puce qui est mise dedans, intégrée, t'as ton numéro de carte bleue, et t'arrives tout, et tu rentres en t-shirt, là, voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? La fête, Vénus en scorpion. Pouf, pouf, pouf. Ah ouais, je suis cool, je suis libre. Donc, on va nous inventer une fausse liberté basée sur le contrôle total de la machine informatique. Alors, qui c'est qui voudra pas ça? Les gens qui veulent pas ça. Ah, c'est bizarre, vous avez quelque chose à vous reprocher? Ah, mais vous avez peur d'être contrôlé? Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous avez peur? La police va vous faire aucun mal. Donc, on commence comme ça, et il y a des gens qui disent « Bah oui, c'est vrai. » Alors qu'on ne voit pas qu'en laissant faire, c'est pour ça que les gens, comme la quadrature du net, c'est des associations comme ça, sont très précieuses, parce qu'elles ont dénoncé ça bien à l'avance, elles ont senti venir, elles vont avoir du boulot pendant les 20 ans qui suivent, parce que justement, il va falloir se dire « Attention, on ne donne pas nos données à n'importe qui, on arrête de donner nos données à des gens qui en font une espèce de banque
de banques de données, et ces banques de données, c'est la vraie richesse. Maintenant, les vrais, c'est plus l'or comme autrefois, c'est les données. Et les données servent, on a déjà vu tous ces scandales qui ont eu lieu. Alors là, ça va être. Après, ça sera ça. On va voir les GAFAM, les Big Fish, là, comme vous les appelez, je redonnerai l'anagramme un coup parce que je ne me rappelle plus. Il y a tous les, grands pontes de l'Internet, gros poissons. Eh bien, là, ils vont apparaître dans toute la splendeur du danger qu'ils représentent au niveau de l'évolution de quoi ? C'est quoi le verso ? C'est la fraternité ? C'est la civilisation nouvelle ? C'est la civilisation qui doit advenir avec cette conjonction à l'USNAPU dont on a parlé ? Une civilisation qui est très branchée, bien sûr, mais qui va favoriser les communs, qui va favoriser la fraternité humaine, qui va... Et celle-là, elle est encore loin, parce qu'elle va être retardée par les gens qui vont prétendre la favoriser, en nous aidant, en nous donnant les outils pour le faire. Donc, il va falloir qu'on comprenne que l'outil qui nous est donné... La publicité qui en est faite n'est pas forcément congruente par rapport au projet de l'humanité elle-même. C'est-à-dire, j'ai envie d'être plus efficace pour rencontrer des amis qui pensent comme moi, donc je passe par Facebook. Facebook dit, je vais t'aider à rencontrer des amis parce que tu veux créer un groupe spirituel ou écologique, tout ça, là. Et en fait, en ce faisant, il pompe tes données, il permet de contrôler les gens parce que ces données ne restent pas chez Facebook, elles vont... à la police, et après on pourra dire, ah, on sait où sont ces gens-là, ils sont là, et arrêter tout mouvement, même positif, s'il déplaît à ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire Pluton. Donc on croit bien faire, on donne ces données, et en donnant ces données pour faire des réseaux sympathiques, on se dédouane de sa responsabilité collective en disant, oh machine, oh robot, oh portable, fais ça à ma place. Et ça va vraiment me rendre heureux, cool, la Vénus en scorpion, plus libre, hein, Vénus oppose Uranus, j'ai vraiment envie d'être libre, ah, j'ai pas envie de me faire chier avec tout ça, avec les histoires d'avion et d'écologie, ah, ça m'angoisse, voilà, j'ai pas envie de m'angoisser, et donc, okay, devenez complètement infantile, Proserpine en cancer, abandonnez-vous dans papa et maman, papa Chine, maman France, c'est les deux modèles, faut vous référer, rappelez-vous les quatre cavaliers d'Apocalypse, voilà, on peut, voilà là, tu peux les remettre si tu veux, ouais, je veux bien. Les quatre clés d'Apocalypse, avec d'un côté la Chine qui est opposée à la France, non pas, c'est pas des pays que je veux indiquer par là, on parle d'archétype uniquement, la solution, on parle pas de pays, mais c'est des pays qui sont donnés dans l'exemple. Le contrôle, le pouvoir maximal, le feu au maximum, c'est-à-dire l'espèce de pouvoir qui écrase tous ses citoyens, c'est la Chine, on le comprend bien, qui contrôle tout. Et la France en face, le pouvoir maternel, au contraire, qui les coucoune, alors d'un côté, on militarise la société, et de l'autre côté, en France, on va soi-disant la protéger, la vacciner, lui donner la bourrée d'antibiotiques pour pas qu'elle soit malade, la pauvre. Et puis, voilà. Et en fait, c'est cet axe-là, les deux peuvent se croiser. De même que l'autre axe, donc ça c'était l'axe, France, donc avec le côté maladie, et puis en face la guerre, en face avec la Chine. Alors, les gens me disent, pourquoi tu dis la Chine, la guerre ? Attendez, ça j'ai oublié de le dire, mais Mars, il va être où dans les... Si on cherche un petit peu où est Mars pour la Chine, on fera peut-être les dates une autre fois, hein, parce qu'on n'a pas le temps de faire les dates. Mais juste je signale au passage, parce que c'est important, où est-ce que j'ai mis ma Chine, moi ? Beijing, Pékin, Washington, Beijing, voilà. Donc on peut remarquer que Mars est en Sagittaire, il est au milieu du ciel ici, de la Chine, alors qu'au milieu du ciel de la France, il est ici. Et donc, en Chine, on a Mars au milieu du ciel, on a vu ce Mars extrêmement manipulateur et tout ça, mais Mars c'est aussi la guerre. Et là, j'ai bien peur que cette année, Mars étant très très dominant dans le thème chinois, il y ait l'envie de passer à l'action, d'autant plus que à Taïwan, Hong Kong a déjà été avalé par l'ogre chinois, et Taïwan a manifesté des velléités d'indépendance, et ça peut être le prétexte idéal pour les Chinois de pas simplement faire des coups de menton en avant et de visière de casquette militaire, mais peut-être d'y aller carrément ou faire un plan. Et ça, faut se méfier de voilà. Alors ça peut être comme c'est en Sagittaire, et ça peut être sur la fin de l'année. Mais attendez-vous aussi à des problèmes quand on va être sur les carrés aussi, ou l'opposition. Donc c'est une position très risquée à mon avis, quand c'est celle qui m'inquiète le plus. La fin de l'année, c'est-à-dire en partant du 24 décembre à chaque fois. Donc il faudra attendre pratiquement début décembre 2024 pour que tout d'un coup...
juste avant le renouvellement de l'année, on est un truc qui se déclenche pour une raison X ou Y. Ceci dit, ce qui a eu lieu là en ce moment nous annonce la donne. Hein. Taïwan, là on est là à peu près avec le soleil en Capricorne ici. Mars est là. Il y a sûrement un demi-sextile qui se sort. On est carrément. On est en train de préparer un conflit. Alors tout reposera sur est-ce que les États-Unis sont susceptibles d'entrer en guerre pour défendre. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est pas les Taïwanais qui sont encore derrière, comme les Américains quand ils interviennent, de toute façon c'est toujours pour le fric, c'est bien connu. Donc ils vont vouloir défendre la démocratie à tout prix, ils ont raison. Mais derrière, c'est l'atelier de tous les semi-conducteurs, de tas de processeurs à Taïwan. C'est TSMC. TSMC, oui, je connais pas le terme, mais enfin. Une grosse entreprise. Ouais. Et donc, si la Chine phagocyte cette île, ils peuvent avoir un contrôle total de toute l'informatique au niveau mondial. C'est-à-dire un contrôle de ce qui va se passer quand tout le monde va être. Ils l'auront pas parce que Taïwan a déjà mis des explosifs partout dans toutes les usines et ils vont tout détruire. Oui, mais ça fait rien. Je veux dire, la question, elle n'est pas tant liée à ça. Bien sûr qu'ils peuvent dire ça, on les comprend. Mais ça ne se passe pas forcément comme tu penses quand il y a une guerre, d'une part. Et d'autre part. Ce que je voulais dire, c'est que s'ils détruisent tout, les Américains n'auront pas non plus. C'est-à-dire les Américains, les Européens, tous les Occidentaux n'auront pas non plus les composants qu'il leur faut. Donc on est. Et la Chine possède toutes les terres rares, ou presque toutes. Donc ils peuvent non seulement acquérir une autonomie, ce qu'ils ont déjà acquis pas mal au niveau économique et tout ça, mais ils peuvent devenir une puissance extrêmement menaçante pour le monde entier et dire nous voulons devenir les nouveaux États-Unis du monde. Quoi. Avant c'était les gendarmes du monde, les États-Unis, et puis maintenant ça peut devenir la Chine. Et si le gendarme devient chinois, on va, malgré tous ceux qui sur le site me critiquent, ah oui, t'es pro-américain, t'es pro-OTAN parce que tu critiques Poutine. Le jour où il y aura un gendarme chinois pour le monde entier, vous regretterez le bon moment, hein, le bon temps, c'était quand on avait les Américains pour gendarmes du monde. Alors, tout ça n'étant pas des enfants de cœur, évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, c'est même des fifis coquins, mais il y a quand même des différences de régime qui fait qu'on peut être encore un peu libre de parler, comme je le fais en ce moment, dans des régimes avec trois paires de guillemets démocratiques, que dans des régimes qui sont totalement totalitaires, qui sont effrayants du point de vue de l'effet qu'ils ont sur la psyché humaine et sur l'organisation. Sociales, qui vont pas du tout dans la direction du Verseau. Ceci dit, rappelons-nous que le Verseau, ses maîtres, c'est Saturne et Uranus, les maîtres du Verseau, et que Saturne, c'est quelque chose qui peut être très coercitif, et Uranus, très autoritaire. Donc, faut pas oublier que le Verseau, c'est pas que la fraternité, c'est le danger. Uranus, quand il s'élève du point de la conscience, il donne par l'individuation, et non pas l'individualisme, si on sort de l'individualisme pour aller vers l'individuation, l'individu libre, se voit comme une âme libre, et voit à ce moment-là que tous les autres sont des âmes libres, potentiellement, ou actualisées, l'un ou l'autre. Il reconnaît les âmes libres actualisées, il s'accoquine avec eux, et il reconnaît ceux qui ne sont pas encore actualisés en tant qu'âme libre, il va essayer fraternellement de les libérer aussi. Donc il y a une espèce de contagion de la liberté qui peut être apportée par un Uranus évolué. Mais l'Uranus non évolué fait floresse beaucoup grâce à l'Internet. Parce que l'Uranus, l'ordinateur, est un moyen uranien. On peut penser à Idiotcracy, que ceux qui n'ont pas vu voyez ce film, encore une fois, dont le réalisateur disait « J'ai cru faire un film de science-fiction et je ne me suis pas su que j'avais fait un documentaire. » C'est-à-dire que le pouvoir de la bêtise par ordinateur, par la pub qui remplace la pensée normale, cette civilisation-là complètement absurde, qui est du pain et des jus, quoi, en fait, l'hédonisme un peu stupide et le jeunisme qui va avec, toute cette civilisation-là peut devenir complètement étouffante et totalitaire. Et on est peut-être déjà dedans. Donc ça, c'est le danger. Mais rappelez-vous que le Verseau contient cette dimension de fraternité. Si les gens acceptent de renoncer à leur individualisme, à leur séparatisme, et de rentrer dans des démarches où on tente de vivre, parce qu'on ne sait plus ce que c'est, hein, les peuples d'Amazonie savent ce que c'est, mais nous, on ne sait plus tout ce que c'est. On a la trouille de la fraternité. Attends, si je lui donne ça, et s'il ne me le rend pas, putain, parce qu'on est crispé sur la possessivité que nous a inculqué le capitalisme. Même les anticapitalistes, même les mélanchonistes, tous ils sont pareils. C'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est que vivre en fraternité. Donc là, le Verseau, c'est ça. Et ceux qui ont un Uranus suffisamment libre, et en taureau, c'est difficile de l'avoir, c'est plutôt les fascismes qui montent plutôt que les socialismes ou les communalismes. Mais
Mais bon, voilà, il faut quand même continuer à espérer malgré ça. Pour terminer, on a Jupiter. Il faut raconter ce que fait Jupiter pendant l'année quand même, parce que Saturne va commencer à avancer en poisson. Mais Jupiter va aller faire une conjonction à Uranus vers le 21 avril et une conjonction et un carré à Saturne. Donc l'année va changer complètement à partir du 25 mai. Donc avril et mai, attention, parce qu'on a la révolte Jupiter-Uranus qui peut arriver. Mais ça peut être aussi les révoltes des petits fachos avec Uranus. Et tous les gens qui sont extrémistes, qui veulent radicalement changer les choses, vont se sentir le vent en poupe pendant le moment du taureau. Là. 21 avril, c'est le début du taureau. Il faudrait voir quand le soleil va passer dessus aussi, quelques jours plus tard. Il y a une zone là, voilà, fin bélier, début taureau, qui va être assez virulente et où il va y avoir... Alors, il peut y avoir des découvertes scientifiques bah, grâce à Uranus, il peut y avoir des trucs très intéressants qui ont lieu. Ceux qui ont des idées de faire des lieux de vie alternatifs, bah, c'est le moment de lancer le truc. Moi, je lance toujours mon appel pour ça. Si les gens veulent se rassembler dans une zone blanche pour être prêts à faire quelque chose qui est vraiment valable comme société du futur, bah, j'ai les ingrédients, grâce à l'astrologie en partie, puis il y a d'autres choses dont j'ai déjà parlé. Qui est ce qu'on appelle la spirinotée, qui est quelque chose qui est une formule extraordinaire qui sera gagnante, contrairement à beaucoup d'éco-villages qui se plantent. Mais si je ne trouve pas des gens pour le faire, ben c'est sûr que c'est. Il y en a déjà des candidats, mais pas assez. Il faut qu'on soit beaucoup nombreux. Et puis le 25 mai, eh ben, Jupiter passera en Gémeaux. Et là, il fera le carré à Saturne peu de temps après, le 20 août. Donc l'été posera un problème par le carré Jupiter-Neptune. Un problème d'illusion mentale très fort, et en même temps le carré à Saturne Jupiter carré en Gémeaux à Saturne peut créer, bien qu'il semblait avoir un élan presque économique de redressement, là il va y avoir une cassure sûrement économique, comme si les idées qu'on a ne sont pas en accord avec ce qui se passe vraiment. Entre le social et l'économique, ça va commencer à grincer. Cool. Et ben, c'est ce que je viens de dire vers le mois d'août. Bon, ça, peut-être on refera un petit truc sur les dates, parce que là, je ne les ai pas. Et si on a plus de temps pour finir la cassette là, qui se termine dans 2 minutes. Donc, je vais être obligé de conclure. En tout cas, cette conjonction Jupiter-Uranus qui sera trigone à Apollo en avril 2024 est très importante pour l'évolution de l'humanité. Et c'est la grande date dont il faut se rappeler en 2024. Le reste étant évidemment le carré à Saturne qui lui est pas évident. Et Pluton en Verseau. Voilà. Pluton en Verseau, une nouvelle ère scientifique ou scientiste qui apparaît. Jupiter-Saturne, début de nouvel élan, nouveau gouvernement en France qui peut. Voilà. Et nouvel élan partout dans le monde. Pour investir peut-être dans les choses plus écologiques, mais, avec Jupiter et Uranus, retour des colères et tout ça, révolte aussi, il y en a marre. Et puis, avec Jupiter entrant en Gémeaux, le carré Saturne-Apollon qui aura lieu plutôt en août, fin août, et donc qui sera la rentrée 2024, septembre, où il y aura vraiment une espèce de cassure entre le social, Saturne en poisson, le besoin de que les gens puissent vivre quand même heureux les uns avec les autres, qu'ils ne soient pas pauvres, qu'ils ne soient pas démunis, qu'il n'y ait pas des gens qui fassent la queue au resto du cœur. Et de l'autre côté, bah, Jupiter en Gémeaux, les discours, blablabla, de qui vous savez, qui dit non, tout va bien, comme les vœux du président 2024 qui ressemblaient vraiment à ça. Ça va péter les plombs. Là. Les gens vont en avoir marre qu'on leur dise du pipeau. Le joueur de flûte de Hamelin, qui est avec sa silhouette fine et élégante, eh ben, il va avoir du mal à emmener les races noyées. Ils veulent plus se noyer. Voilà, c'est un peu le résumé de l'année. Voilà. Je pense qu'on essaiera peut-être de faire une autre session, filmée autrement, pour faire un petit peu hiver. Hiver, printemps, été, automne, ouais. ou hiver, printemps et été, automne, deux autres vidéos un petit peu assez courtes pour que vous ayez un petit peu les trucs. De toute façon, comme je fais des nouvelles lunes et des pleines lunes, voilà, ça en fait deux par mois, ça donne une bonne idée de là où on en est dans ce cheminement. Voilà, donc, et puis bonne année du dragon pour terminer, qui aura lieu la nouvelle lune du février, les 9 février, rendez-vous pour la nouvelle lune au 9 février. 2024, et c'est le moment où les Chinois et les Tibétains choisissent de dire qu'on rentre dans le dragon de bois. Donc c'est
c'est terminé. Donc, bonne année Dragon de Bois. Et puis, j'espère que ça vous a inspiré. Et puis, que ça vous aura appris des petits trucs sur l'astrologie universelle de la mutation, qui est une astrologie de mutation. Et c'est ça qui est important, c'est la mutation. Pour ne pas rester des gamins assistés par des totalitarismes, il va falloir qu'on apprenne à muter en vierge, donc à réfléchir autrement. Et à utiliser l'ésotérisme, n'être qu'une poisson, pour ne plus être manipulé par les politiques. Voilà, les politicaires corrompus. Et peut-être des apparitions de politiques politiques non corrompus, ça peut arriver, mais après. François Ruffin, président. Voilà, c'est ça. Voilà, Ruffin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup d'éthique. Bon, ben bonne continuation à tous, et bonne année malgré tout, et je vais mettre en dessous Camille Etienne, parce que ça vaut le coup. Elle résume très bien l'année. On va le remettre, parce que ça vaut le coup. Ouais, on va le remettre, parce que ça vaut le coup. Bonne continuation à tous, et surtout gardez l'espoir et gardez la foi.